Funen. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu veux me tuer? Je suis venu pour qu'on finisse une fois pour toutes. Puisque tu as décidé de briser mon cœur au profit d'une autre femme, alors nous allons en finir une fois pour toutes. Écoute-moi, s'il te plaît, ok? Écoute, je veux dire, quel que soit le problème, essaye de te calmer. Pose ce couteau, on peut le régler amicalement, je t'en prie. Oui, bien sûr, amicablement. C'est pour ça que je suis là. Je veux qu'on règle ceci, une fois pour toutes. Oui, qu'on en finisse, pour qu'enfin nous soyons ensemble, à cet endroit où enfin nous aurons la paix et la joie. Nous pouvons être ensemble à cet endroit où personne ne pourra nous arrêter. Donc c'est cela. Nous pouvons être ensemble où nous aurons éternellement la paix. Alors mon amour, s'il te plaît. Il faut, je t'en prie. Je t'en prie, ne fais pas ça, ok? Je t'en prie, essaie juste de... Essaye de te calmer. Asseyons-nous et parlons-en, ok? S'il te plaît, je t'en prie. Je t'en prie, nous pouvons le faire. Je t'en supplie. Faisons-le. Non, non, non. Nous devons non, non, le faire. Non, 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 non. J'ai dit que nous allons le faire. Non, non, non. Ah. Non. Non. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu ta voix depuis l'intérieur. Tout va bien? Je vais bien. J'ai fait un terrible cauchemar. Ike, pourquoi as-tu choisi de dormir dehors? Ok, c'est bon. Allons à l'intérieur, on va prier à ce sujet, ok? On va prier à ce sujet. N'aie pas peur. Ça va aller. S'il te plaît, allons à l'intérieur. Ok. Ike? Ike? Tu as oublié ton repas. Oh. Merci beaucoup. Hein? Désolé, il n'y a pas d'eau ici. Tu peux puiser de l'eau à la rivière. Sans problème. Merci beaucoup. Hein? Fais attention à toi. T'inquiète, je le ferai. Attends. C'est bon. Merci. Ok, je vais partir maintenant. D'accord. Je serai de retour bientôt. D'accord, prends soin de toi. C'est d'accord. Gadima, Adane, que
que tu fais? Je nettoie les chaussures de mon mari. Je nettoie les chaussures de mon mari. C'est tout ce que tu sais faire? Hein? Oh, Gadima, donc tu n'as plus honte? Hein? Tu nettoies les chaussures de ton mari. C'est tout ce que tu sais faire. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Nous donner des enfants, c'est tout ce que tu es incapable de faire. Tu n'as jamais pu donner à mon frère même un demi-enfant. Voilà ce que tu as fait de mal. Oh, Gadima, mon frère est le seul homme de cette famille. Et quand il ne sera plus là, cette famille disparaîtra. On a besoin d'enfants. On a besoin, même si c'est un bébé, un enfant. Donne-nous. Toutes les filles de ce village ont un enfant. Mais toi, tu n'en as pas. Tu n'as rien du tout. Tu n'as rien. Tu es une bonne à rien. Tout ce que tu sais faire, c'est nettoyer les chaussures. Tu veux que le nom de mon père soit effacé de la terre? Donne-nous des enfants. Arrête de nettoyer les chaussures. Arrête de nettoyer. C'est pas pour ça que tu es ici. Tous les jours, je nettoie les chaussures. Je nettoie les chaussures. Espèce de sorcière. Regardez-moi cette vampire. Tu es encore là? Adané, qu'est-ce qu'il y a? Tu nettoies encore? Adané, qu'est-ce qu'il y a? Ose! Tu me poses des questions? Adané, qu'est-ce que je t'ai fait? Je vois que tu es malade. Qu'est-ce que j'ai pu te faire, Adané? Espèce de sorcière, tu vas voir le feu dans cette maison. Je te le dis, tu vas voir ce que tu vas voir. N'importe quoi. Je nettoie les chaussures, c'est tout ce que tu sais faire. N'importe quoi. Continue à rester là. Hey! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé à ta jambe? Ike, tu dois faire attention. Je ne veux surtout pas qu'il t'arrive quelque chose. Je ne le veux pas. Regarde. Tu vois, elle est vraiment profonde. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ok, laisse-moi chercher de l'eau pour nettoyer tout ça. Ok. Je reviens. Chérie? Est-ce que tu as mal? Je ne sais pas. Je suis confuse. Eke, je ne veux pas que quelque chose t'arrive. Je ne veux pas te perdre. C'est quoi tout ça? Comment peux-tu te blesser comme ça? Hein? Est-ce que tu vas bien? Est-ce qu'il y a un problème? Je vais bien. Oui, je sais que tu vas bien. En dehors de ce qui m'est arrivé et qui est en train de te préoccuper, y aura-t-il autre chose qui te préoccupe? Chérie, je t'ai dit que ça va. Tu es sûre? Oui. Où est ma sœur Adané? Elle est sortie il n'y a pas longtemps. Je vais aller te chercher tes remèdes, ok? Je reviens. Ikena, tu dis qu'il t'est arrivé quoi la jambe? Mon frère, je défrichais les herbes dans mon champ. Après, j'ai seulement entendu... BAM! Je me suis taillé la jambe. Par erreur. Et me voilà. Je suis vraiment désolé pour Merci toi. Beaucoup. Aïe! Quand je touche là, ça te fait mal? Vraiment désolé. Cela me revient. J'ai un délicieux vin de palme à la cuisine. Je vais aller le chercher. Mon frère! Ikena!
Adane. Hein? Quand est-il arrivé? Emeka. Non. Quand est-il arrivé à mon frère? Rien de très grave. C'est bon. Comme tu peux le voir, c'est pas si grave que ça, ok? Tu n'es pas aussi grave que ça. Néanmoins, je vais bien. Tu vas bien? Crois-moi. Hein? Comment peux-tu aller bien ici là? Ikenna qui ne va pas bien. Ah, Adane. Comment peux-tu aller bien quand tu as épousé une mauvaise femme? Oui. Mon frère s'est mis avec une très mauvaise femme. C'est pas vrai. Depuis que cette sorcière ici présente est entrée dans cette concession. Depuis que mon frère l'a épousée. C'est tous les jours problème sur problème. Sa vie n'est faite que de malchance. Adane, arrête! Arrête tes bêtises! Ça, je ne te le permets pas! Et je ne permettrai à personne d'insulter ma femme! Non, mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle a tout fait. Ikenna, elle a tout fait! Toutes les mauvaises choses qui sont arrivées dans cette famille, tout ça, c'est à cause d'elle! Oui! Ouvre tes yeux et vois! Elle est malchanceuse! Elle est maudite! Rien de bon n'est plus jamais arrivé dans cette famille depuis que cette femme est entrée dans cette famille! Oui! Nous donner des enfants. Elle n'a pas pu. Tous les bébés dans son utérus, elle les a tous mangés. Hein? Oui. Ça, c'est grave. Tu ne savais pas? Emeka, tu ne savais pas? Elle a mangé tous les bébés dans son utérus. Mon frère ne peut pas avoir ses propres enfants. Est-ce une bonne chose? Réponds-moi. Regarde-moi. Je suis ta sœur. Emeka, regarde-moi très bien. Ne suis-je pas belle? N'ai-je pas le popotin? Regardez, j'ai tout ce qu'il faut. Hein? Mais depuis que cette femme est entrée dans cette famille, aucun homme n'est jamais venu ici pour demander ma main à Tu vas la fermer? Oui! J'ai dit ferme-la! Qu'est-ce qui te prend? Quand est-ce que tu vas arrêter avec ces idioties? Pour ton information, ma femme n'est pas responsable du fait qu'on n'ait pas d'enfant. Ni responsable du fait que tu ne sois pas marié. Écoute-moi bien, en tant que frère, je te dis la vérité, je ne te la cache pas. Tu as un très mauvais caractère. Elle a un très mauvais caractère, comme tu la vois. Tu as un très mauvais caractère. Et aucun homme ne pourra épouser une femme avec un aussi mauvais caractère que toi. Je t'assure. Change. Change ton attitude. Un homme averti en vaut deux. Pardon. Ikenna, je pense que je vais partir. Il y a quelques petits trucs chez moi qu'il faudrait que je fasse. Oh, c'est d'accord. Oh, désolé pour le désagrément, je te verrai plus tard. Ok, prends soin de toi, d'accord? On se voit plus tard. Tu as vu ça? Parlant de ton mauvais caractère, tu as chassé mon ami. Tu vois ce que t'as fait? Change! Un homme averti en vaut deux. Change! Je sais que tu ne peux pas me croire maintenant, mais un jour, Dieu exposera toutes les sorcières de cette maison. Toute la malchance de cette maison. La personne qui est la cause de tout dans cette maison. Un jour, Dieu va l'exposer. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit va la brûler. Cette femme qui dit qu'il n'y aura jamais d'enfant dans cette maison. Le feu. Pourquoi? Ressens-tu déjà quelque chose pour moi? Après 5 années de solitude, alors qu'on ne dort pas ensemble? Hein? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas du tout à être en érection à chaque fois que je m'approche de toi? Écoute, nous devons commencer à faire des enfants.
Les gens sont en train de se poser des questions. Les gens sont en train de parler. Et c'est de la faute de qui? Ike, tu m'as fait croire pendant 5 ans qu'on n'était pas compatibles. Tu as de grosses difficultés à t'approcher de moi, à me parler, à me faire l'amour. Alors, de quoi parles-tu? Donc, c'est de ma faute? Non, dis-moi. Est-ce de ma faute? Ogadima, à plusieurs reprises, j'ai essayé autant que possible d'avoir une intimité avec toi. Mais à chaque fois que j'essaie, je ne parviens pas à être en érection. Et je sais que je ne suis pas impuissant. On m'a forcé à me marier. Oui. Je t'ai épousé parce que tu as été ma fiancée depuis que j'étais tout petit. Et ma défunte mère ne m'a point permis d'épouser une autre femme. Et maintenant qu'elle est déjà morte et enterrée. Hein? Réponds-moi. Elle est morte. Voudrais-tu donc me répudier? Je lui ai promis que je serai toujours à tes côtés. On a donc besoin d'enfants. Les gens parlent, comme tu l'as dit. Oui. Oui, tu as raison. On a besoin d'enfants. Ogadima! Ogadi! Ike? Oh! Ton repas est là. Merci beaucoup, merci. Comme d'habitude. Hein? Merci beaucoup. S'il te plaît. Okay. Je ne veux plus que tu te blesses encore, ok? Je serai vraiment très prudent cette fois-ci, ok? Je vais rentrer tôt aujourd'hui. D'accord. Alors prends soin de toi. Je vais y aller maintenant. Attends. Attends. Je reviens. Oh mon Dieu. Ne me dis pas que c'est la raison pour laquelle je suis allé à l'intérieur. Pour prendre un peigne pour peigner ma barbe. C'est parce que je veux que tu sois beau. Mais je ne vais qu'à la plantation, ok? Ce n'est pas grave. Oh, je vois. Tu voudrais que je paraisse beau pour les touffes d'herbe et les lapins que je vais voir en brousse. Peu importe. D'accord. Merci beaucoup. D'accord, prends soin. Ok. D'accord, toi aussi. Je vais partir maintenant. Ok, bye. Passez cette stupide chose. Stérile, stupide, sorcière. Aïe, donc Adane n'est pas ici. Hein? Où est-elle passée? En tout cas, je l'attends ici. Une femme vraiment méchante. Elle utilise sa main de lèpre là pour peigner sa barbe. N'importe quoi. C'est pas ta faute. J'attends Adane ici, là.
Hey, Ifunaya. Hey. C'est bien toi? Oui. Merci. Content de te voir. Maman, mon ami. Je suis Ifunaya. Merci. Toi aussi, tu es bonne. Regarde-toi. Regarde tes jambes. Regarde. Adonai. Mon ami, pourquoi es-tu parti? Hein? Où étais-tu? Il fallait que je voyage pour atténuer un peu l'effet de la honte. Je ne pouvais pas supporter la disgrâce et la honte de la part de ton frère. Il a choisi une autre femme à ma place. Je ne pouvais pas supporter. Mais tu aurais dû rester. Oui. Tu aurais dû rester et te battre pour l'amour de ta vie. Me battre pour quel amour? Quand ton frère m'avait déjà rejeté, il a épousé le choix de ta mère. Ou l'aurais-tu oublié? Ta mère l'a choisi au profit de ton frère et pas moi. Donc... Regarde-la. C'est une sorcière. Oui. Elle n'a pas été capable de donner à mon frère même un demi-bébé. Ne me dis pas. Je t'assure. Depuis là? Je t'assure. Pas d'enfant. Celle-là, elle n'a rien dans son utérus. Mmh. Elle les a tous mangés. J'en suis sûre. Une sorcière. Vampire. Je te plains vraiment, toi et ton frère. Bien, Adama, j'ai été mise au courant. Je suis vraiment désolée pour le décès de ta mère. Merci. J'étais supposée venir t'assister, mais je n'allais pas pouvoir résister à la présence de ton frère et toi-même, tu le sais. Tu le sais. Et maintenant, es-tu prête à l'affronter? Je ne suis pas sûre d'être prête. Oh. Ifunanya. Quoi? Ifunanya, nous avons besoin de toi. Ma famille a besoin d'une femme comme toi. Oui, et mon frère a plus besoin de toi, je le sais. Je sais au plus profond de mon cœur qu'il t'aime et qu'il pense encore à toi, je le sais ça. N'importe non, je ne mens pas. Tu mens, pas après ce que j'ai vu ici aujourd'hui. Aujourd'hui? Hein? Je suis là depuis. Qu'as-tu vu? Adane, cette sorcière peignait sa barbe. Hein? Il fallait voir comment il souriait, touchait son visage, hein, comme ça. Écoute, ils ont l'air bien ensemble. Je ne veux plus me mêler, tu sais. Ifunaya, tu appelles ça amour? Hein? Tu appelles ça amour? 5 bonnes années. 5 bonnes années de mariage. Et cette chose que tu vois là, cette sorcière, cette vampire, n'a pas pu donner à mon frère un enfant. Hey! Un enfant qui sera son héritier. Et tu sais comment ma famille est. C'est le seul homme. Oh, la sorcellerie dans le temps. Je t'assure. Écoutez, Adane. Je comprends ta peine. Il faut seulement supporter. Oh, bien. Je dois partir maintenant. Je ne veux pas que ton frère vienne me trouver ici. Je t'en prie. Non, Ifunanya. Allons s'asseoir. Nous sommes toujours des amis. Tu m'as manqué. Tu m'as aussi manqué. Mais tu sais que je... Oh. Qui c'était? Où ça? Qui je viens de voir? Comment ça? As-tu vu quelqu'un? Ifunaya? Ifunanya? Adane. Adane. Hein? Dis-moi que c'est elle que je viens de voir partir. Qui? Ifunanya, bien sûr. Je ne l'ai pas vue. Allons. Arrête de plaisanter avec moi, ok? Ifunanya? Il fait semblant. Hein? Ah! Il meurt en silence. Où est-ce qu'elle est passée? Je sais qu'il est. Adane, viens par ici. Viens par ici, ne me fais pas ça, ok? Je t'en prie, ne me fais pas ça. Je le sais. Dis-moi juste, où est-ce qu'elle prends est passée? Prends ton sac, qui? Dis-moi où est-ce qu'elle est. Je n'ai vu personne. Prends ton sac. Prends. Je vais aller donner ceci à ta nettoyeuse de femme. Voilà tes chaussures. Elle sait les nettoyer, les laver et tout. Laveuse de chaussures! Laveuse de chaussures, viens, ton mari est de retour. Viens laver les chaussures et que ça brille comme tu sais bien le faire. La voici au... Laveuse de chaussures, c'est la seule chose que tu sais faire. Femme stupide, imbécile, n'importe quoi, je t'ai appelé, non? Laveuse de chaussures! Imbécile. Adane. Laveuse de chaussures. Hey, Adane, s'il te plaît, allons,
Je t'en prie, s'il te plaît. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Où est-ce qu'elle est partie? S'il te plaît, je t'en prie. Appelle-la, je voudrais la voir. Pourquoi veux-tu la voir? Tu penses toujours à elle? Je suis en train de penser à... Je pense souvent à Ifunanya et je... Je ne sais pas. Adane, je t'en prie. Peux-tu juste me dire si c'est elle que j'ai vue? Je ne veux pas croire que cela relève de mon imagination. C'était Ifunanya? Dis-moi, comment puis-je la voir, s'il te plaît? Tu sais exactement où trouver les réponses à tes questions, n'est-ce pas? Oh, oui, oui, oui. Oui, je sais là où je peux trouver la réponse. Oui. Vas-y doucement. Oh. Ifunanya. N'importe quoi. Tu n'as encore rien vu. Regardez-la, espèce d'idiote. Laisse mon frère tranquille. Non. Espèce de sorcière. Donne-nous des enfants. Madame ne peut pas faire d'enfants. Laisse mon frère tranquille. Non, 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 non. Non, il faut n'en aller, je t'en prie. Je t'en prie. S'il te plaît, ne t'enfuis pas quand tu me vois. Je sais que j'ai heurté tes sentiments. Je sais que je t'ai blessé. Je suis désolé, ok? Mais... Tu n'aurais pas dû partir du village. Que veux-tu dire? Donc tu aurais dû rester ici pour faire face à ton humiliation? Est-ce que c'est ce que tu essaies de dire? Non. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Ekena? Je t'ai aimé. On s'aimait bien. Tu avais promis d'être avec moi pour toujours. Que s'est-il passé? Tu m'as laissé tomber comme si je n'avais jamais existé. Ma mère... C'était ma mère. Je veux dire, elle m'a fait lui promettre que je n'aimerais jamais une autre femme qu'au Gadima. Oui, en fait, elle m'avait été promise depuis l'enfance. Je n'ai jamais aimé une autre femme. Pourquoi tu oublies vite? Tu as oublié? Nous avons signé un pacte ensemble. Nous nous sommes promis qu'il n'y aura ni homme ni femme qui nous séparera. Personne. Nos corps appartiennent à l'un l'autre. Même pas ta soi-disant Ogadema de femme n'a le droit de nous séparer. C'est vrai. Je me souviens. Je me souviens. Je comprends. Je comprends pourquoi je n'ai jamais pu faire l'amour à ma femme. Mais bien sûr, comment espérais-tu avoir une érection? Et c'est pareil avec moi. Il est impossible que j'aie une relation avec un autre homme. Je ne peux pas être enceinte d'un autre homme. C'est à ça que nous nous sommes engagés. Comment l'as-tu oublié? Il faut gagner la question, ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je veux dire,
Comment est-ce qu'on sort de ce problème? Comment est-ce qu'on... Qu'on peut faire pour se libérer définitivement de ce pacte? Honnêtement, je ne sais pas. Je comprends. Ifunanya, j'ai remarqué que la façon dont j'ai une érection pour toi ne s'est jamais produite avant. Alors épouse-moi. Épouse-moi, nous sommes faits l'un pour l'autre. Ou ne le vois-tu pas? Je ne peux pas. Je veux dire, je ne peux pas le faire. Je l'ai promis à ma défunte mère de toujours rester à ses côtés. C'est à toi de faire le choix. Si tu m'épouses, tu auras les enfants. Reste avec elle et sois sûr que tu vivras sans enfants. Juste parce que tu veux honorer la promesse de ta mère. Elle est rentrée, n'est-ce pas? Comment est-ce que tu l'as su? J'ai entendu ta conversation avec ta sœur. Alors, que comptes-tu faire maintenant? Retourner chez elle. Qu'est-ce que tu en penses? Si ça peut résoudre ton problème et te rendre heureux, alors qu'il en soit ainsi. Plus vite, plus vite, plus vite, je suis en retard. Allez. Vas-y doucement. Adane, je crois que je n'aurais pas dû venir ici. Non. Ifunanya, ne dis plus jamais ça. Ifunanya, tu es ici à cause de moi et pour personne d'autre. Pas même pour mon frère que voici. As-tu oublié? Je t'ai rencontré avant lui. C'est même moi qui t'ai présenté à lui. As-tu oublié? Oui, c'est vrai. Tu as raison. Hey, Ifunanya, est-ce que tu sais que tu es toujours aussi belle, mignonne? Comme tu l'as toujours été. Oh, vraiment? J'y t'assure. Regardez mon ami. Eh bien, je m'en fous. C'est pas mon problème. Je m'en fous de tous. Je m'en fous de vous. Et si ça t'énerve, je m'en fous de toi. Tu n'as qu'à partir. Écoute, je suis sûre qu'il y a des choses chez toi que la chose qui vient d'entrer là n'a absolument pas. Vraiment? Oui! Oh mon Dieu! C'est la raison pour laquelle mon frère meurt d'amour pour toi. Il voulait se suicider quand tu es partie, tu le sais. Mon frère te veut toujours. Je sais qu'il veut revenir dans ta vie. Et où est-il maintenant? Ah, mon frère? Je ne sais pas. Mais écoute, ma plus grande joie est que tu aimes toujours mon frère. Tu veux toujours te marier avec mon frère. Je suis tellement contente pour ça. Mais pas en tant que deuxième femme, oh. Hein? Deuxième femme? C'est impossible. Tu as vu celle-là? Elle doit partir.
Je te fais confiance. Je suis ton amie. Je te fais confiance. Toi-même écoute ma composition. Eh bien, je m'en fous. C'est pas mon problème. Je m'en fous de tout. Je m'en tape maintenant. Eh bien, je m'en fous. Eh bien, je m'en fous. Où as-tu appris cette chanson? En ville. Sérieuse? C'est une nouveauté. Sérieuse? Faut que tu l'apprennes. Je m'en fous de tout. C'est pas mon problème. Je m'en fous de tout. Je m'en fous de tout. C'est pas mon problème. Je m'en tape vraiment. Je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Ma copine. Ah, je ne peux pas y croire. C'est incroyable. Oh mon Dieu. Ah. Ne me dis pas que tu es ici à attendre que je revienne. Oui. Il faut Nana, je t'ai attendu aussi pendant des heures. Je veux dire, je suis venu pour rester avec toi. Tu me manques tellement. S'il te plaît, fais-moi sentir en ma nouveau. Attends, nous sommes dehors. Nous sommes dehors. Hein? Attends. Ok, c'est d'accord. Oh oui. Attends. Oh. Tiens d'abord la porte. Ok. Viens. Hey. Tu es plus calme maintenant, n'est-ce pas? Merci. Enfin soulagé. Merci beaucoup. Ah, quel délice. Merci. Je suis différent maintenant. On se voit demain. Je ressens la différence maintenant. Oh! On se voit plus tard. Merci beaucoup. Je me sens différent. Hein? Ah, mon ventre. Merci. Je vois la différence. Je vois la différence. Tu reviendras demain. Encore et encore. Tu reviendras. Tu reviendras. Ah, il y a une différence. Hey. Merci. Ah, la différence est claire. Merci. La différence est claire. Merci. Ikena. Ikena. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je suis assis ici avec toi depuis combien de minutes déjà et tu es là en train de dire merci, la différence est claire. Merci, la différence est claire. Merci, la différence est claire. Qu'est-ce qu'il y a d'aussi clair dans cette différence? Hein? Tu te sens bien? Est-ce que tu vas bien? Tu as le palu ou quoi? Tu as besoin des remèdes pour le palu? Mais regarde, regarde comment tu transpires comme une chèvre de Noël. Hein? Alors que ce n'est pas encore Noël. Tu vois, tu ne peux pas comprendre ce par quoi je suis passé. Hein? Si tu réalisais le niveau auquel j'ai couru le marathon il y a peu, tu serais d'accord avec moi que cette sueur n'est pas suffisante. Je te dis. Tu vois, c'est Ifunanya. Ifunanya? Oui. Ifunanya s'est enfuie de ce village. Elle m'a complètement envoûté et a quitté le village. Ifunanya. Maintenant qu'elle est de retour... Ah, mon frère, je ne peux plus la laisser partir. Hein? Je ne peux plus la laisser partir. Attends, dis-moi un truc. Tu dis que Ifunanya est revenue dans ce village? Oui, elle est de retour. La seule chose que je sais, c'est que Ifunanya est partie de ce village avec ma virilité. Et maintenant qu'elle est de retour, je ne peux plus la laisser partir. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par « elle est partie avec ta virilité » Hein, Ifunanya? Tu vois, je vais te dire quelque chose. Je t'écoute. Et je vais te dire ceci parce que je te considère comme un frère. Mm-hmm. Tu vois, moi et Ifunanya, nous avons fait un pacte de sang. Oui, un pacte de sang. Qui stipule que je n'aurai jamais d'intimité avec une quelconque autre femme.
une quelconque autre femme, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mince! Mince, non, non, Ikina! Non, arrête! Je viens de te dire que je t'en parle comme un frère. Hein? Mais toi, tu es en train de crier. Arrête de hurler! Non, comment est-ce que je peux crier? Comment est-ce que je peux crier? Mince! Hey, non, mais ça m'a fait non. Mince! Ikina, tu es malade! Ikina, tu es malade! Hein? Ok, calme-toi. Non. Hein? Donc, tu veux dire que depuis que tu es marié à cette fille d'Ogadima, tu n'as pas encore fait crac-crac avec elle? Tu n'as jamais couché avec elle? Miséricorde, depuis 5 ans! 5 bonnes années! Baisse ta main, non, c'est bon. Oui, tu as raison. Pendant 5 bonnes années. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas d'enfants. Miséricorde divine! Ikena, je dis bravo. Ikena, je te dis bravo. Ah, vraiment de Dieu. Ok, sans problème. Ikena, tu vois, est-ce que tu vois ta vie? Hein? Tu es vraiment méchant et sans cœur. Pourquoi choisis-tu de punir une petite fille, une pauvre fille innocente comme Ogadima, alors que toi-même tu savais que tu avais déjà un pacte de sang avec une autre femme? Ce n'était pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. C'est la faute à qui? Celle de ma mère. Elle m'a forcé d'épouser. C'est pas vrai que Dieu nous vienne en aide. Moi, mommy. Sérieux. Moi, mommy. Mais ce n'est pas juste. Ce n'est pas bien. Hein? Ce n'est vraiment pas bien. Quand je pense que cette pauvre petite innocente fille ou femme, ou je ne sais même pas comment l'appeler, n'a rien fait d'autre que de t'aimer et de te respecter durant tout ce temps. Je sais qu'elle me respecte, mais là n'est pas le problème maintenant. C'est donc quoi? En tant qu'ami, hein, j'aimerais que tu me suggères comment... Comment est-ce que je peux sortir de ce problème? Hein? Dis-moi, comment est-ce que je peux sortir de ce problème dans lequel je me trouve? Ok. Tu es Mifunania, n'est-ce pas? Bien sûr que je l'aime. Alors épouse-la. Épouse-la et fais d'elle ta deuxième femme. Non. Problème résolu. Ifunaya veut que je fasse partir Ogadima de la maison. Ce sont des foutaises. Qui fait ça? Hein? Oh, Ikena, c'est pas vrai. Ikena, je ne sais même pas comment te qualifier. Tu es un idiot. Je ne sais pas, stupide. Vraiment mince. Hein? Pourquoi as-tu laissé une femme te duper? Je veux dire, te pousser à faire un pacte de sang. Pardon, dis-moi. Hein? Dis-le-moi. J'étais aveuglé par l'amour. L'amour va te tuer. Quel est ce genre d'amour dont tu parles? L'amour va te tuer. C'est quel genre de stupide amour qui fait ça? Hein? Je te l'ai dit. Écoute, un homme qui passe son temps à rassembler du bois mort invite des lézards à la fête. Qui fait ce genre de choses? Aïe. Hein? Mon ami. Merci. Il y a une différence. Merci. Il y a une différence. Merci. Oui, il y a une différence. Merci. Ikena, tu as l'air extrêmement fatigué et épuisé. Pourquoi? Je travaillais. Le travail? As-tu du travail? Tu n'es pas allé au champ et tu le sais. Comment c'était? Comment était quoi? Tu sais exactement de quoi je parle. Tu étais avec elle, n'est-ce pas? Dis-moi la vérité. Tu es content? Tu es content? C'est bien.
Ogadima. Ogadindio. Oui, Adane. Qu'est-ce qu'il y a? Qui a mangé la nourriture dans cette marmite? Tu es sourde! Maintenant, parle. Qui? Adane, je suis désolée. C'est moi. Pardon. Tu l'as fait. Tu as mangé la nourriture que j'ai cuisinée pour moi? Mais c'était juste... Tu as osé? Pourquoi? Pourquoi? Hey, hey! Es-tu malade? Tu n'as pas peur? Hein? Quelque chose ne tourne pas rond chez toi? Adane, calme-toi. Comment as-tu osé? Comment as-tu osé manger la nourriture que j'ai préparée pour moi? Es-tu malade? Hein? Adane, essaye de te calmer. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi m'exprimer. Imbécile! Idiote! La prochaine fois que tu fais ça, je vais te couper la tête. Imbécile! Femme stérile! Sorcière! Vampire! Tu as mangé tous les bébés dans ton ventre. Et tu veux que je me calme? Ça, c'est tout ce que tu sais faire! C'est tout ce que tu sais faire! Manger! Manger! Ça, c'est tout ce que tu sais faire! Donne-nous des enfants! Fais tes enfants, mon frère! Tu es un incapable! Fais encore ça prochainement et tu verras ce que je vais te faire, imbécile! Calme-toi. Elle a le kilo, cette fille. Ne réponds pas, hein. Tu verras, tout ira bien, d'accord? Va à l'intérieur et rends-toi belle. Hein? Tout ira bien. Mais souviens-toi d'une chose. L'un des vrais tests d'une femme vertueuse, c'est une femme qui peut rester calme devant toutes sortes de provocations. Hein? Je sais que tu es une bonne femme. Ne t'occupe pas d'elle, d'accord? Va à l'intérieur et lave-toi. Oui. Hein? Reste comme ça. Chut. Ne réponds pas, ok? Pas de problème. Remercie ton Dieu pour Emeka. Il t'a sauvé. Adane. Il t'a sauvé. N'importe quoi. J'oubliais. Tu as de la chance. Non. Tu as trouvé ta cuisinière. Est-ce qu'il est là? Et Funania, pourquoi est-ce que tu me punis ainsi? Hein? Je te supplie depuis Dieu sait combien d'heures. Quand? D'accord, allons à l'intérieur. Non, attends. Ne me touche pas. Ne t'avise même pas à me toucher. Si tu sais que tu veux continuer à le faire, tu feras mieux de chasser cette sorcière de chez toi. Oh non, c'est impossible. Ok. Ifunania, tu sais que c'est impossible. Okay. Hein? Pourquoi est-ce que tu aimes toujours me voir me répéter? Hein? Ogadima est orpheline. Et où est-ce que tu voulais que je l'envoie? Où? Tu viens de dire orpheline. Et moi alors? Ne suis-je pas une orpheline? Ikena, pendant 5 bonnes années, tu ne t'es pas inquiété à mon sujet. Morte ou vivante, cela ne t'a jamais intéressé. Non, ça c'est pas vrai. Mais c'est la vérité. Ce n'est pas du tout vrai. Et vous, Nania, j'ai passé mon temps à te chercher partout en vain. Hein? Bien, j'ai dit ce que j'avais à dire. La seule raison pour laquelle tu pourras te rapprocher de moi encore est que tu renvoies cette sorcière hors de chez toi. Ah, Ifunania, allons. C'est trop dur à supporter, ok? Ça ressemble à une punition pour moi. Pour moi, je pense que je ne pourrais survivre. Je ne pourrais survivre sans ça. Ne me touche pas. Tu vas survivre. Ça fait 5 ans que tu vis dans cette situation et tu as survécu. Donc, tu vas survivre. Vas-y. Ok, d'accord. Trouvons une solution à cela, ok? Trouvons une solution. Ok. Bien, pourquoi ne serais-tu pas ma seconde épouse? Qu'à Dieu ne plaise! Qu'à Dieu ne plaise! Ça ne tourne pas rond chez toi. Je te demande simplement d'être ma deuxième femme. Allez, Ifunania, reviens. Allez, Ifunania. Pardon, fous le camp. Non, je voulais simplement te dire que j'ai trouvé une autre solution. Renvoie j'ai une autre suggestion. Renvoie-la hors de chez toi. J'ai une autre suggestion. Ouvre d'abord la porte, s'il te plaît. J'ai dit, repudie-la. Et si je viens Funa... Ok, ouvre la porte. Emeka, je suis désolé. Lorsque tu es venu chez moi, hein, j'étais pas dans les parages. Et pour dire vrai, hein, je suis allé voir Ifunania.
Ifunania. Ifunania, tu dis. Ah. Je t'ai déjà dit qu'Ifunania va te causer des problèmes. Arrête ça. Hein? Arrête ça. C'est hein? toi qui as amené toutes les calamités dans ton foyer. Allez, oublie ça. Je te l'ai déjà dit. Hein? Ok, dis-moi, en parlant d'Ogadima, que se passerait-il si elle venait à découvrir que tu te tapes, que tu te farcis, et aussi que tu forniques, avec Ifunania? Que va-t-il se passer? Eh, mais qu'a oublié cette histoire. Laisse tomber, que cela ne te dérange pas, ok? Mmh. Oui, elle est au courant de notre relation. Ça ne la dérange pas du tout. Hein? Hein? Elle est d'accord avec ça. Elle est au courant et ça ne la dérange pas. Bien sûr. Tu vois maintenant ce que je te dis? Ce sont là les qualités d'une bonne femme. C'est une bonne femme. C'est pas vrai. Et si elle n'était pas une bonne femme, qu'est-ce qu'elle ferait encore chez moi? C'est pour ça qu'elle est chez moi. Tu vois, calme. Elle ne se plaint pas. Ça, c'est moi. Tu dis la même chose. C'est exactement ce que je disais. Elle est, tu peux le constater de toi-même, c'est une très bonne femme. Oui, elle est une et bonne femme. Il faut savoir que les bonnes femmes sont difficiles à trouver. Garde-la très bien et cesse d'amener les problèmes catastrophiques dans ton foyer. Ne fais pas ça. Hein? Ok, laisse-moi te dire quelque chose. Ouais, écoute-moi bien. Tout ce que je veux que tu fasses, c'est d'empêcher Adané de porter la main sur ta femme. Oui, empêche Adané de tabasser ta femme. Dis à Adané que si elle a l'ambition de poursuivre une carrière dans le catch, ok, catégorie poids lourd, dis-lui de venir me voir, je la soutiendrai. Mais dis-lui d'arrêter de taper sur ta femme, Ogadima. Dis-lui d'arrêter ça. Ce n'est pas bien. Sérieux, écoute. Écoute-moi. Je sais que tu n'as peut-être aucun sentiment envers ta femme, Ogadima. Mais elle reste ta femme. Et qu'est-ce qu'on dit? La femme d'un homme est sa fierté. Écoute, Ikena, je ne connais pas la couleur de ton problème. Oh. Écoute, cette fille t'aime vraiment. Et te respecte de tout son cœur, franchement. Attends un peu, non? Attends un peu. Ah! Attends, Emeka, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu es en train d'insinuer? Écoute. Tu es mon ami. Va droit au but, ne tourne pas autour du pot. Dis-moi. Lorsque tu es allé chez moi, quelque chose s'est-il passé? Tu blagues là. Tu es en train de blaguer là. Adané a tapé, tabassé, frappé et roussé. Ogadima, ta femme, je t'assure. Tu es sérieux? Et aussi, je suis sûr qu'Ogadima ne t'a rien dit. Elle ne me l'a pas dit. Tu vois, une autre qualité d'une très bonne femme. Elle essaye de tout faire pour ne pas se mettre entre ta sœur et toi. Tu vois, alors, elle ne veut pas causer des problèmes entre vous deux. Mais attends un peu. Qu'est-ce qui a bien pu prendre Adané? Je ne sais pas. Hein? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez cette fille? Hein? Tu sais, j'observe cela depuis un moment. Et j'ai remarqué que la haine qu'elle a envers ma femme, Ogadima, grandit de jour en jour. Oui, maintenant tu comprends ce que je veux dire. Et de surcroît, avec Ogadima parte de chez moi, de ma propre maison, pour faire venir sa meilleure amie. Sa meilleure amie, qui est ta soi-disante maîtresse, Ifunania. Tu vois ce que je te dis? C'est toi qui apportes tout ce brouhaha et toutes ces calamités terribles dans ta maison. Écoute, moi je ne te comprends même pas. Pourquoi as-tu permis à une femme, une petite fille, de te pousser à faire un pacte de sang? Qui d'autre fait ça? Hein, mec? Regarde-toi maintenant, fort comme Bim Bim. Un homme correct, un homme solide, un beau mec. Un vrai bosseur. Tu t'en sors bien avec tes champs. Donc toutes les femmes que tu veux, tu peux les avoir. Au lieu de ça, tu as laissé une te pousser à faire un pacte de sang. Tu vois maintenant? Tu vois ta vie? Ikena? Est-ce que tout va bien? Ikena? Ikena, où? Ikena, où est-ce que tu vas comme ça? Ikena, vas-y doucement, calme-toi! Mais avant, je veux savoir un truc. Sur qui est-ce que tu comptes déverser ta colère? Ifunania ou Adané? En tout cas, choisis sagement. Choisis sagement et ne leur dis pas que je t'en ai parlé. Adané! Ike, qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a énervé? Que s'est-il où passé? Où est-elle? Elle est à l'intérieur. Que se passe-t-il? Adané, sors! Viens ici! Ikena, pourquoi? Qu'est-ce qu'il Tais-toi. Y a? Tais-toi! Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? Hein? Qui est-ce qui t'a donné l'audace d'insulter ma femme? Hein? Hein, Adané? Comment oses-tu ouvrir ta sale gueule pour insulter Ogadima? Oh, tu as oublié qu'elle est ma femme? Ne sais-tu pas qu'elle est ma femme et en tant que telle, elle mérite beaucoup
Mais alors beaucoup de respect. Je te pose une question. Réponds-moi à la fin. Ah. Ekena. Tu m'as giflé. Tu m'as giflé à cause d'Ogadima. Une femme qui a tué notre mère et tu me gifles à cause d'elle. Tu vas la fermer ta sale gueule. Ferme ta sale gueule. Qui t'a dit qu'elle a tué notre mère? Hein? Qui est-ce qui t'a dit qu'Ogadima est responsable de la mort de notre mère? Maintenant, écoute-moi bien, Adane. Si tu refais encore ça, la prochaine fois où tu vas encore ouvrir ta sale gueule pour insulter ma femme, je vais m'assurer de te tabasser personnellement. Je ne fermerai pas ma bouche. Hein? Qui a tué maman, si ce n'est elle? Qui l'a tué? Tu es en train de me crier dessus. Qui a tué maman? Qui? Je vais te... C'est pas vrai. Tu oses me crier non, dessus. Non, non, c'est bon. La c'est prochaine bon. Fois, laisse-moi te prévenir. La prochaine fois que tu ouvres ta gueule pour insulter ma femme, ce que je vais te faire, tu n'en croiras pas tes yeux. N'importe quoi. Adané. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Adané. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'elle a encore? Elle est partie ce matin avec toutes ses affaires. Vraiment? Pour aller où? Je ne sais pas. Elle ne te l'a pas dit? Je ne sais pas, je pense qu'elle est fâchée. Je pense qu'elle est fâchée. Hein? Quand elle partait, elle avait l'air vraiment très en colère. Ike, tu n'aurais pas dû la gifler comme tu l'as fait. Tu as été très brutal avec elle. Attends. Avant qu'elle ne parte, est-ce qu'elle t'a dit quelque chose du genre peut-être qu'elle est fâchée parce que je l'ai giflée? Non, mais je sais qu'elle est fâchée à cause de ça. Alors que penses-tu que le problème peut être? Toi, va et ramène-la ici. Va et ramène Adané, je sais qu'elle est fâchée. Tu l'as giflée et tu espères qu'elle soit contente? Elle ne peut pas être contente. Ah. Ramène-la à la maison. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Yeah. Hein? Tu veux dire qu'il n'a pas giflé à cause de cette femme? À cause de cet effoulé fou qu'il appelle femme? Funaya, mon frère n'avait jamais levé la main sur moi. Depuis qu'on est dans cette maison, il n'a jamais essayé de me taper. Mais à cause de cet idiote, Ogadima, mon frère m'a fait bien du mal. Il fallait voir. Il m'a tapé, giflé, poussé. Il fallait voir. Je ne rentrerai pas dans cette maison tant que cette femme ne part pas. Je suis de ton avis, tu ne pars plus. Tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part, tu restes ici. Bien. Adané, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Hein? Pourquoi tu as quitté la maison? Donc tu cries, Mimikena. Tu es en train de crier. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Hein? Tu as frappé ton unique sœur. La seule que tu es dans cette vie. Juste à cause de cette effoulée, cette chose inutile que tu gardes dans ta maison. Qu'est-ce qui ne va pas? Adane, je suis désolé, ok? Je suis désolé. Je savais pas ce que je faisais lorsque je t'ai frappé. Je suis désolé d'avoir levé ma main sur toi, ok? Je t'en prie. Je t'en prie, pardonne-moi. Rentrons à la maison. Je sais que tu n'es pas toi-même là. Je sais que quelque chose cloche quelque part. Comme tu vois là, je ne rentrerai pas dans cette maison tant qu'elle est là. Je ne rentrerai pas. Écoute, Ogadima n'ira nulle part, ok? Elle n'ira nulle part. Retiens-le une fois pour toi. Oui. Okay. C'est ce que tu dis? Non. Oh, tu viens de le dire? Ah, je comprends maintenant. Oui. Je comprends. Tu sais quoi? On va quitter ce village. Toi et moi, on part d'ici.
Qu'est-ce que tu veux dire? On s'en va. Tu m'as bien entendu. Je pars avec toi. Au fait, je vais aller emballer mes affaires. On part. Non. Je pars avec toi. Allons. Je t'en prie, s'il te plaît. Non, mais s'il te plaît, quoi? Ne fais pas ça, ok? S'il te plaît, ne me laisse pas. Ok, je veux dire, ma vie sera complètement détruite sans toi. Je ne suis rien sans ta présence. Je t'en supplie, s'il te plaît, ne t'en va pas. Oh, vraiment? Tant tu es au courant de ça, que tu es rien sans ma présence ici. Mais tu laisses pendre ta langue et raconte qu'elle ne partira jamais de chez toi. Bien, de toutes les façons, la balle est dans ton camp. Soit tu l'as choisie et nous oublies, nous, bam, ou tu nous prends et la fais partir. Oh. Ifunanya, cela ne va pas du tout être facile, non, Adane? Adane, tu sais très bien ce que j'ai promis à maman avant qu'on le dise. Hein? Je lui ai promis que je ne laisserai jamais partir au Gadima. Je veux dire, j'ai promis de prendre soin d'elle tous les jours de ma vie. Alors comment voudras-tu que je la fasse partir? Adane, dis-lui, non? Dis-lui! Lui dire quoi? C'est jamais. Qu'elle s'en aille. Chasse-la. Tu as fait la promesse de ne jamais la laisser partir. Viens, Ikena. Tu as 2 jours. Mm-hmm. 2 jours pour la faire partir. Sinon, tu ne nous verras plus jamais de ta vie. Oui. Ne dis pas ça, s'il te plaît. C'est quoi cet ultimatum-là? Oui. Hein? Tu es prévenu. Deux jours. Oui. Deux jours. On partira la balle et tu ne nous verras plus jamais. Allons dedans. Viens. Écoute. Allons à l'intérieur. Allons à l'intérieur. Attends, tu peux partir. Allons à la maison. Allez. Attends. Je n'irai nulle part. Entre. Je n'irai nulle part. Entre. Ah. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Je ne rentrerai pas dans cette maison. Rentre. Qu'est-ce que tu me racontes là? Comment ça tu as fait un pacte de sang avec elle? Pourquoi? Eke, à quoi pensais-tu? Écoute, je sais que tu n'éprouves aucune once d'amour pour moi. Je sais que tu ne peux pas être intime avec moi. Mais je suis prête. Je suis prête à partager avec elle. Pitié, je t'en supplie, pour l'amour de Dieu, ne me chasse pas comme ça. Je n'ai pas de mère, je n'ai pas de père. Je suis orpheline, je n'ai nulle part où aller. Et tu le sais. Ogadima, je connais toutes ces choses, ok? Tu n'as pas besoin de me la rappeler. Tu n'as pas du tout besoin de me la rappeler. Je sais tout ça. Le problème, c'est que... Si je la laisse partir et si je la quitte... ma vie sera misérable à jamais. Non. Non. À jamais. Ne dis pas ça. Je ne veux pas que ça arrive. Ta vie ne sera jamais misérable. Eke, je crois tellement en toi. Je sais que tu prendras la bonne décision. Oui. Oui. Je suis désolé. Je voulais pas te blesser. Je ne voulais pas du tout heurter tes sentiments, ok? Non, je suis vraiment désolé. Ce ne sont pas des larmes là. Je suis désolé. Hein? S'il te plaît, je suis désolé. Je ne veux pas voir de larmes sur tes yeux. Je suis désolé. Non, ne fais pas ça. Ne fais pas. Je sais que tu es un homme. Tu prendras la bonne décision. Je crois tellement en toi. Je crois tellement en toi. S'il te plaît. Exprime-toi. Parle et cesse de me perdre le temps. Yeah. Ikena m'a dit toute la vérité. Et j'ai réalisé que le lien entre vous deux est trop fort. Oh, tu le sais maintenant. À la bonne heure. Il est indestructible. Ikena ne m'a jamais aimé. Makam. Mmh. T'as jamais aimé? Mais ça ne signifie pas qu'il me déteste. Mmh. Il m'a toujours traité comme une sœur. Mmh. Oui, il m'a dit qu'il était amoureux d'une autre femme. Uh-huh. Et qu'il est toujours amoureux d'elle. Ce que j'ai accepté. Pitié. Ifunanya. Je voudrais te demander une faveur. Qu'est-ce que cela veut dire, hein? Hein? Parle, si tu veux parler, ne me perds pas le temps. Pitié.
Hey, hey. Pardon, ma sœur. Pardon, chère consœur. Eh wow. Ne me chasse pas de là. Fais-moi une place dans un coin. Je te promets. Je te promets de te servir le reste de ma vie comme une esclave. Impossible. Voleuse. Voleuse. Une voleuse, c'est ce que tu es. Elle croit pouvoir nous berner. Tu es une voleuse. Elle l'est. Je connais tes plans. Je sais ce que tu veux faire. Mais ça ne marchera pas. Jamais de la vie. Parce que moi, je suis plus intelligente. Je le suis. Je ne le partagerai avec personne. Pas comme. C'est soit tu le quittes ou je le quitte. C'est à lui de choisir. Malade. Je ne le partage pas. Oh Gadima, tu dois partir. Laisse mon frère tranquille. Mon frère appartient à Ifunanya que voici. Oui, il s'aime beaucoup. Laisse-les tranquilles et pars, espèce de sorcière. Tu vois ce que je te disais? Ne t'ai-je pas dit qu'elle était une sorcière? Elle s'est levée avant moi. J'ai vu. Quelqu'un qui est venu plaider. Elle s'est levée avant moi. Politicienne. Elle croit pouvoir nous berner. Tu es un démon. Oui, tu l'es. C'est vrai. Tu t'es levée avant moi. Tu me fais la politique. As-tu vu ça? Tu prétends. Elle s'est levée avant moi. Elle n'a même pas attendu que je me lève. Et elle prétend qu'elle est venue plaider. Dégage. Allons-y. Allons-y. Tu t'es levée avant moi. Tu pars. Hein? Tu fais comme si tu étais en train de supplier. Espèce de sorcière. Pardon? Vampire. Va-t'en. Dégage. Vampire. Criminel. Une idiote comme ça. Stérile que tu es. Idiote. Tu es vraiment sûre de vouloir faire ça? Oui. Je n'ai pas d'autre choix. Elle a dit que soit je pars, soit elle part. Et je ne veux pas que ça arrive. Car je veux que tu sois à nouveau heureux. Et qu'en est-il de la promesse que j'ai faite à ma mère? Ne t'en fais pas. Ta mère comprendra. Peut-être. Un jour, je trouverai l'amour et je me marierai. Qu'est-ce que tu venais de dire? Je t'ai bien entendu, n'est-ce pas? Te remarier? Attends une minute. Je t'ai entendu dire qu'un jour, tu vas te remarier. Ça, c'est une très bonne idée. Écoute-moi un peu, Ogadima. Et si je trouvais l'homme parfait pour toi? Est-ce que tu vas l'épouser? Dis-moi! Non, ok, écoute. Tu n'as plus à faire ceci, ok? Défais tes bagages. Tu n'iras nulle part tant que je n'ai pas encore trouvé l'homme parfait pour toi. Attends-moi une seconde, ok? Je serai de retour. Ne bouge pas, ok? Ne va nulle part. Je reviens. Ifunanya, hein? Mon bébé.
Hé, hey, la prunelle de mes yeux. Hé, pardon si tu veux parler, fais-le vite. Hein? Qu'est-ce qui t'amène? J'espère que tu n'essaies pas de me convaincre de devenir Non, attends. Actuellement, je suis venu pour te demander une faveur. Oui. Tu vois, tu sais que je t'aime beaucoup. Va droit au but. Oui. Tu sais, nous nous aimons tous les deux. Hein? Et je voudrais pas que les gens commencent à penser que toi et moi avons comploté et chassé Ogadima intentionnellement d'ici. Tu vois, je voudrais pas que les gens commencent à penser que toi et moi avons contraint Ogadima de partir intentionnellement. Tu sais que nous nous battons pour notre amour, hein? Et toute bonne chose ne vient pas facilement. Alors, je suis venu te demander, hein, de plaider auprès de toi et de te dire, s'il te plaît, de m'accorder une autre semaine pour arranger les choses. S'il te plaît. Une semaine. Une semaine. Une semaine. Une semaine. Ok, pas de problème. Après tout, moi j'ai attendu pendant 5 bonnes années. Et rien ne m'est arrivé du tout. Ah. Et que cela n'aille pas au-delà d'une semaine. Non, ça ne peut pas dépasser une semaine. Une semaine, c'est une semaine. Une semaine, c'est 7 jours. Et je suis capable de le faire en 6 jours. Tu pourras aussi le faire en 5 jours. Oui, bien sûr. Ok. Ah, voilà pourquoi je t'aime. Merci beaucoup. Hein. Moi aussi, merci. Je t'aime. Je t'aime vraiment. Hey je t'aime. Ah, une semaine. Oui, une semaine. Merci oui. beaucoup. Hein. Une semaine. Merci. Prends soin de toi. Merci. T'emmener où? Hein? Où? Oh. Reviens après une semaine. Merci beaucoup. Merci. Reviens après une semaine. Merci. Reviens après une semaine. Okay, oui, reviens sans après problème, une semaine. Sans hein. problème. D'accord. Je ne fuis sans pas, problème. Je suis là. Hein? Après une semaine. Oui, après une semaine. Oh, après une semaine, tu seras à moi, à moi, à moi. Mais quelle beauté! Oh! Quelle beauté! Quelle merveille! Vous avez fait servir mon code dans l'océan. Je suis ébloui par l'éclat de votre beauté. Elle est tellement éclatante. Je vous assure. Mon Dieu, dites-moi quel est votre magnifique nom. Je m'appelle Adané. Adané? Oh mon Dieu. Alors vous êtes l'une des Ada? Oui. Oh mon Dieu, mon nom est Shima. Ravi de vous rencontrer. D'où venez-vous? Je suis d'ici. Vraiment? Oui. Oh mon Dieu, ne soyez pas offusqués s'il vous plaît. Ne vous fâchez pas, êtes-vous mariés? Non, pas du tout. Vous en êtes sûr? Non. C'est mignon, c'est merveilleux. Alors, où allez-vous pour que je puisse vous déposer? Non, c'est pas nécessaire. Je suis arrivée où je vais. Non, s'il vous plaît. Une dame comme vous ne devrait pas marcher. Ah. Il y a beaucoup de soleil. Allez, laissez-moi vous déposer. S'il vous plaît. Non, je suis presque arrivée. C'est pas nécessaire. Belle fleur, s'il vous plaît, je ne peux pas vous permettre de marcher. Sur cette route ainsi. Vous êtes trop belle pour qu'on vous laisse marcher. S'il vous plaît, laissez-moi vous déposer. Même si c'est juste là-devant. Je vous déposerai, s'il vous plaît. Ok, si tu insistes. Merci, merci, merci. Oh! C'est pas vrai, Ikena. Je ne comprends pas vraiment de quoi est-ce que tu es en train de parler. Je n'y comprends absolument rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu essayes de dire? Ok, regarde. Ce que j'essaye de te dire, c'est que...
Ifunanya m'a donné juste une semaine. Juste une semaine. Et pendant cette période d'une semaine, je me dois d'être capable de trouver un homme. Pour Ogadima. Autrement dit, tu cherches à ce que ta propre femme se remarie. Exactement ce que je veux dire. Je suis très content de savoir que tu as compris ce que j'essaie de dire. Hein? Tu vois, Ogadima est une très belle femme. Une très bonne femme. Elle n'a aucun problème. Et en plus, je cherche quelqu'un qui pourra bien prendre soin d'elle. Qui pourra lui apporter un certain confort et qui saura l'aimer et la mettre à l'aise. Tu sais, je suis incapable de lui apporter un pareil amour. Je ne peux lui offrir un tel amour. Ikena. Ikena, tu es sûr que tu ne serais pas sur le point de faire la plus grosse erreur de ta vie? En essayant de remarier ta femme? Tu en es sûr? Ah. Oh Dieu. Pourquoi est-ce que tu me regardes de cette façon? Écoute, non. Ikena, n'y pense pas. J'espère que ce n'est pas ce à quoi je pense que tu penses. Calme-toi. Tu vois, j'ai une idée. De quelle idée tu parles? Écoute, Emeka. Tu es vraiment un homme responsable. Bam. Et je t'apprécie beaucoup en tant qu'ami. Bien. Et je voudrais que tu épouses Ogadima. Oui, et en plus tu feras un mari parfait pour elle. Mari dans quelle sorcellerie? Mari dans quelle sorcellerie? Je n'épouserai pas ta femme. Je ne le ferai pas, jamais de la vie. Jamais, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu deviens fou? Tu as perdu les boules? Tu ne vas pas bien ou quoi? Ah, je comprends pourquoi est-ce que tu réagis de la sorte. Hein? Écoute, laisse-moi expliquer encore. Tu vois? Tu n'as pas encore très bien regardé Ogadima et je suis surpris. Si tu observes minutieusement Ogadima, tu réaliseras que elle est une femme très jolie, très bien formée. Et en plus, elle a toutes les qualités qu'un homme recherche chez une femme. Et je connais très bien tes goûts. Oui. Mais je ne l'épouserai pas. Elle est ta femme. Mais je suis amoureux d'une autre. Mon seul amour a voyagé. Mon véritable amour n'est pas ici. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu as perdu la tête? Hein? Est-ce que tu es devenu fou? C'est pas vrai. Ah, Emeka, tu me surprends beaucoup. Je ne te mens pas, je suis surpris de ta réaction. La vérité, c'est que je ne suis pas en train de te demander de l'accepter aujourd'hui. Je ne suis non plus en train de dire que tu dises oui demain. Ce que je veux te dire, c'est que tu t'asseyes bien et que tu y réfléchisses. Réfléchis très bien à ça. Essaye d'y penser. Ok. Ok, je vais y penser. Merci. Je vais y penser, ne t'en fais pas. Mais la réponse est non. Moi, épouser ta femme. Que je l'épouse. Moi, épouser ta femme. Je vais y réfléchir. Je vais y penser sérieusement. Ike? Tu vas bien? Je vais bien. Alors? Eh bien, elle m'a donné une semaine. Pour... Oh. Écoute, je vais te dire quelque chose. Serais-tu prêt à épouser mon ami Emeka? Ne sois pas surpris, ok? Avant de dire quoi que ce soit, laisse-moi te rappeler et te rassurer que il prendra bien soin de toi. Hein? Ike. Parmi tous les hommes de cette ville, pourquoi as-tu choisi ton meilleur ami pour moi? Pourquoi? Ma chérie, regarde. Ah, tu n'as pas besoin de pleurer, ok? Parmi tous les hommes de cette communauté, c'est seulement Emeka, en qui je peux voir et que je crois qu'il peut prendre soin de toi. Hein? Réfléchis bien à ça. Ok? Tu ne vas pas le regretter.
Regarde, tu sais que moi, Ikena, n'oserais jamais te suggérer quelque chose de mal. Et bien sûr, au-delà de tout ça, j'aimerais accomplir la promesse que j'ai faite à ma mère, que je prendrai toujours soin de toi. Et si tu t'éloignes de moi maintenant, comment est-ce que je pourrais prendre soin de toi? Si tu regardes cela très bien, tout ça c'est pour ton bien. Arrête de couler les larmes, hein? Regarde, pour dire vrai, si j'étais à ta place, je serais en train de sourire maintenant. Hein, Ogadima? Hein? Pense-y. Adane, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Qui est ce gars qui vient te le poser là? C'est mon ami. Il s'appelle Etima. Il vient juste de demander maman en mariage. Je t'assure. Alléluia. 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 Tu es sérieuse? Oh mon Dieu, il est beau. Il est riche. Il est très beau. Il a dit qu'il veut voir mon frère. Hey. Oui, oui. Hey, enfin. C'est une nouvelle. Oui. Tu es sérieux? Oui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. On doit célébrer ça. Hey, moi, Adas, Adane, te marie. Je t'assure. Non, viens. On passe que le poulet. On doit célébrer. On doit célébrer. Emeka, parle-moi, non? Hein? Donne-moi une réponse. Une réponse sur quoi? Donne-moi une réponse à ma doléance. Hein? Une semaine va bientôt arriver. Hein? Pourquoi est-ce que tu me fais tout ça? Je t'en prie, dis quelque chose. J'ai besoin d'une réponse. Écoute. Que veux-tu que je te dise, Ikena? Hein? Que veux-tu que je te dise? Je te l'ai déjà dit plusieurs fois que tu es mon meilleur ami. Il est vraiment très impossible pour moi que j'épouse ta femme. Mmh. Oui, Ogadima est juste comme une sœur pour moi. Je vois. Emeka? Alors tu restes là assis et tu te fais passer pour mon meilleur ami. Encore, une toute petite faveur comme celle-là. Une petite faveur, tu es capable de me satisfaire. Vraiment? Hein, Emeka? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Oh. Hein, va droit au but. Vas-y droit au but, arrête de faire semblant. Ikena. Dis-moi que tu voudrais que je perde définitivement l'amour de ma vie. Dis-moi que tu voudrais que je perde encore Ifonani. Pourquoi est-ce que tu parles? Pourquoi est-ce que tu parles ainsi? Hein? Ikena, est-ce que tu t'entends parler? Tu parles comme quelqu'un qui a été envoûté par un démon. Je te le dis. Ok, tu dis qu'Ifunania et toi, vous vous aimez tous les deux, que c'est le parfait amour. Bien, prends-la comme ta deuxième femme. Emmène-la dans la famille et tout le monde se taira. Et tu vivras en paix. C'est ce que tu es en train de me dire? Oui, tu peux même ajouter et pour toujours. C'est ça ton conseil? Bonjour. Excusez-moi, je m'appelle Shima. Je suis là pour voir Ikena. Je ne sais pas si je suis au bon endroit. Si. Ok. Je vous en prie, veuillez prendre place. Oui. Allez, asseyez-vous. Je suis Ikena. Merci. Bienvenue, hein. Soyez la bienvenue. Alors, permettez que je vous apporte quelque chose à boire. Non, ça va, merci. Vous en êtes sûr? En vérité, je suis là pour Adune. Ok. Vous voulez dire... Adane. Oui. Ok. Adane. J'aime vraiment votre sœur. Et j'aimerais l'épouser. C'est pour ça que je suis là. Vraiment? Ok, c'est une bonne chose, mon cher. Hein? Avant d'arriver ici, avez-vous vu Adane? Est-ce que vous lui avez parlé? Parce que je ne suis pas celui avec qui vous allez vous marier. Et vous n'allez pas vous marier avec mon ami non plus. Hein? Alors ce serait mieux que vous ayez son consentement. Est-ce que vous lui avez parlé? Vous avez raison. Mais vraiment, on s'aime beaucoup. J'ai quelque chose à te proposer et je veux qu'on se retire pour en parler. Est-ce que tu es d'accord? Monsieur, s'il vous plaît, vous allez devoir m'excuser. Hein? Veuillez nous excuser quelques instants. Nous serons de retour. Emeka, est-ce que tu sais ce à quoi je suis en train de penser? Penser? Oui. Mais non, dis-moi, Ikena. Ah. À quoi est-ce que tu penses? Ne me dis pas que tu n'es pas en train de voir ce portrait.
Quel portrait? Ok, attends une minute. Tu vois, est-ce que tu sais que ce monsieur, hein, peut être le parfait homme pour Ogadima? Tu dis quoi là? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu essaies de détourner le prétendant de ta sœur pour ta femme? Chut! Non mais arrête de hurler, bon sang. Lorsque tu veux parler d'un sujet pareil, il faut chuchoter. Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de détourner le prétendant de ta sœur pour ta femme, c'est ce que je veux dire. Tu vois, écoute, pas vraiment. Parce que, Ikena! 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 Combien de fois est-ce que je t'ai appelé? Trois fois. Trois fois. Le jeu auquel tu veux jouer est un jeu vraiment très dangereux. C'est moi qui te le dis. Si Adané découvre toutes les manigances auxquelles tu es en train de te livrer, je suis persuadé que tu auras de sérieux problèmes. C'est d'accord, c'est d'accord. Elle m'a pris je sais comment rappel. Je peux organiser ça. Tout ce que je veux, c'est ton soutien. Ok? Ce que je veux, c'est ton soutien. Je sais ce qu'il faut faire. Tu es d'accord? Oh, ok, ça va. Hein? Aucun problème. Aucun problème. Aucun problème. Mon frère. Je veux dire notre beau-frère. Oh. Oh, Seigneur. Notre beau-frère. Notre beau-frère. Hein? Merci beaucoup, hein. Merci d'être venu nous voir. Merci. Oh oui. Pour dire vrai, Adane est mon unique petite sœur. Ça c'est vrai. Et ça c'est vrai. Et en fait, mon ami et moi, hein, nous venons juste de discuter de quelque chose maintenant. Oui. On a constaté que vous êtes un parfait gentleman. Un homme bien. Ça se voit très bien. Vraiment très beau. Beau comme une star oui, cinéma. Un gentleman à qui une aussi belle femme et très respectueuse et responsable conviendrait. C'est ça. C'est pour ça que je suis là. Alors, nous avons tous ensemble observé, hein, hein, parce que nous voulons le meilleur pour toi. Oui, merci. Donc, nous avons décidé, malgré le fait que tu sois venu ici pour Adane, hein, nous avons quelqu'un de spécial, hein, à te présenter. Oui, 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 on va vous la présenter et vous l'apprécierez certainement. Oui, vous l'apprécierez. Oh, oh Seigneur, Dieu. Merveilleux. Je suis sûr que vous l'apprécierez. Vous allez l'apprécier certainement. écoutez, si vous allez dans tout le village et vous renseignez sur mon ami et moi, on ne ment pas. On ne ment jamais. On ne ment pas. Nous ne pouvons pas vous mentir. Et en plus, qu'est-ce qu'on y gagne? Nous ne sommes pas des menteurs. Alors, vous attendez ici, hein? J'irai à l'intérieur. Voilà. Ensuite, je vais la ramener ici à l'extérieur. Et après tout cela, vous allez me remercier. Vous allez me remercier. Je reviens tout okay, à l'heure. Ok, vas-y, vas-y. J'en reviens tout de suite. J'arrive. Ok, vas-y, vas-y. Attendez seulement, vous allez voir. Habille-toi, habille-toi. Écoute, ne pose pas trop de questions. Juste porte tes meilleurs vêtements. Habille-toi maintenant, tu verras de toi-même. Comment ça? Je ne comprends pas. Ah, Seigneur. C'est ça le problème que j'ai avec toi. Tu aimes beaucoup poser de questions. Hein? Ok, il y a quelqu'un là à l'extérieur qui voudrait te voir. Habille-toi, en fait. Voilà. Habille-toi, quelqu'un est venu spécialement te voir. Celui-ci te convient. Allez, porte-le. Mais cette robe est trop petite. Ah, c'est exactement ce que je voudrais que tu portes, ok? Mais pourquoi? Cela va mettre tes formes en vigueur. Il y a quelqu'un à l'extérieur qui est venu te voir. La chance frappe à ta porte. Il y a un homme là-dehors qui est venu te voir. Allez, prends. Porte-le. Tu veux que je mette ça? Oui, allez, vas-y, porte-le, non? Dépêche-toi. Habille-toi, 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 habille-toi. Je voudrais que tu t'emballes très bien. Est-ce que tu comprends ça? Emballe-toi, hein? Et arrange bien ta coiffure, hein? Arrange.
Arrange-toi et souris. Mais cette robe expose mes seins. Oh, mais je t'ai dit que c'était ça l'idée de départ, non? Oh, Kadima, pourquoi est-ce que tu fais ça, non? Hein? Attends une seconde, laisse-moi arranger ça. Ça me fait descendre. Maintenant, tu es présentable. Tu vas voir cet homme. Il a vraiment l'air responsable. Crois-moi. Désolé. Attends. Et voilà. Arrête de faire ton visage comme ça, non? S'il te plaît, souris. Regarde. Souris. Regarde-moi. Juste. Allez, reste comme ça. Reste comme ça. Ok. Allons-y. Allez, on y va. Ok. Tu seras pas moi. Je suis de retour. Hein? Elle va bientôt sortir, d'accord? D'accord. Elle va bientôt sortir. Oh, Kadima! Viens, non? Il y a quelqu'un qui voudrait te voir. Elle sera Allez, bientôt viens, là. Hein? Viens! La voilà qui arrive. Mm-hmm. Ah, Okadima, toujours aussi douce. Okadima, toujours bien. Très douce. Hein? Même lorsque tu marches tellement doucement. Viens. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas la course, mm-hmm. C'est une femme très douce. C'est vraiment une très bonne femme. Tout à fait. Elle n'aime pas beaucoup se presser. Vous voyez, quand la sauce est trop chaude, elle est... Elle descend petit à petit, elle descend petit à petit. Hey, oh gars, oh gars. Une femme très oui, distinguée. Oui, elle est vraiment très douce. Prends place. Très douce. Ah. Tu vois? Vous voyez, même dans sa façon de marcher, elle fait avec beaucoup de douceur. Hein? Hein? Exactement comme les femmes de mariage. Elles se déplacent avec beaucoup de douceur. Beau-frère, je te présente Okadima. Okadima a toutes les bonnes qualités qu'un homme recherche chez une femme pour le mariage. Je t'assure. Tu vois, et comme tu peux le voir, elle est vraiment très belle. Mm-hmm. Et c'est de cette façon que son cœur est également très beau oui, et pur. Oui, c'est vrai. Hein? Elle est très laborieuse. Hein? Elle est vraiment très respectueuse. Hein? Et elle a également la crainte de Dieu. Hein? Et par-dessus tout, elle connaît préparer de très bons plats. Oui, tu sais, tout homme qui voulait se considérer comme homme, qui est prêt pour le mariage, hein, ferait tout ce qui est humainement possible pour épouser une femme qui sait faire la cuisine. Et qui sait comment... Et qui sait comment expliquer voilà, l'homme. Okadima et tout ça. Okadima. La seule Okadima. Okadi, comment tu vas? Je vais bien. Hey oui, tu vois, et c'est de cette manière qu'elle va te répondre. Elle est vraiment très douce. Bonne femme. Vous avez entendu la voix? Je vais bien. Vraiment trop sexy. Ah si c'était moi, si j'étais moi, je te pousserais immédiatement. Ok. S'il vous plaît, puis-je lui parler en privé? Hey, mais quelle question, sérieux, bien sûr. Pas besoin. Pas non, besoin mais c'est quoi cette question bizarre? Une femme que t'as choisi d'épouser, tu me poses la question si tu peux. Non, mais vas-y, hey. Hein? Non, mais vous pouvez y aller. T'entends ça? Il veut te parler. Okadi, j'aimerais vas-y te parler. Vas-y. Viens. Hey, Oga. Viens. Vas-y, vas-y. Seigneur, comme ils forment un couple parfait. Vraiment surprenant. Dieu est vraiment merveilleux. Regarde comment ils sont parfaits. Chut. Hmm? Tu vois? Laisse-la partir, laisse-la.
Emeka, est-ce que tu vois ce que je suis en train de voir? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir se dire? Hein? Je veux dire, cela fait un bon moment qu'ils sont placés là-bas sans toutefois rien se dire. Est-ce que tu serais jaloux? Hein? Hein? Ne serais-tu pas jaloux? Hein? Moi, jaloux? Pourquoi? Non, je suis pas jaloux. Hein? Je suis juste en train de prier que... qu'il accepte. Oui. Tu sais, ce jeune homme, il a l'air très intelligent et... intelligent et sensible. Très sensible. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mince, ils vont vraiment bien ensemble. C'est pas vrai. Ah, te calmer. Ils forment très beau. Oui. Okadima, tout ce que je vois dans tes yeux, c'est la tristesse. Et je veux savoir ce qui cause cela. Qui sont-ils pour toi? Ma famille. Il veut le meilleur pour toi. Qui? Lui. Les larmes de tes yeux montrent que tu n'es pas heureuse. Je veux que tu me dises. Si tu n'es pas prête pour le mariage, fais-le-moi savoir. Personne ne va te forcer. De quoi est-ce que vous parliez? Hein? Qu'est-ce qu'il te disait? Rien de sérieux. Hein? Rien de sérieux. Alors vous deux, vous étiez seulement placés là-bas? Hein? À parler de rien de sérieux. Tu crois que je t'ai pas vu? Et tu crois que je ne l'ai pas vu? En train de te fixer droit dans les yeux? Droit dans les yeux! Hein? Tous les deux, vous étiez en train de discuter? Hein? Placé là-bas en train de discuter de rien de sérieux, c'est ça? Hein? Ok, dis-moi, est-ce qu'il a accepté? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Oh! Qu'est-ce que tu entends par « je ne sais pas » Hein? On te demande quelque chose, tu ne sais pas. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je ne sais pas. A-t-il accepté? Tu ne sais pas. Est-ce que tu as accepté? Je ne sais pas. Alors tu ne sais rien. Hey! Et je cours après le temps. Non mais c'est quoi cette histoire? Oh! Écoute, Okadima, dis-moi. Dis-moi juste, de quoi étiez-vous en train de parler? Pourquoi ne décroche-t-il pas? Pourquoi ne décroche-t-il pas? Adane, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu as cette mine? Que se passe-t-il? Parle-moi. Ifunai, hein? Chima ne décroche plus mes appels.
Je l'appelle depuis hier. Il ne décroche plus mes appels. Ah. Est-ce que vous vous êtes disputé? Non. Tu te rappelles quand je t'ai dit qu'il disait qu'il allait voir mon frère hier? Depuis hier, je l'appelle. Il ne décroche plus mes appels. Ifunai, je croyais pourtant avoir eu celui-ci. Oh. Je croyais pourtant l'avoir eu. Mais ça, c'est sérieux. Hein. Ah, ah. Et pourquoi il ne décroche pas? Il ne décroche pas. Il ne décroche pas. Il ne décroche pas. J'espère que ce n'est pas ce à quoi je pense. Tu penses à quoi? Sûrement, mon frère et sa femme lui ont probablement dit quelque chose de mal. Et il ne décroche plus mes appels. Ikenna n'est pas comme ça. Tu dois le savoir. Ikenna protège les siens. Et sa femme alors? Et cette sorcière? Et cette sorcière? Elle lui a sûrement dit quelque chose de mal qui a fait en sorte qu'il ne décroche plus mes appels. Hein? Viens, Adana, calme-toi d'abord. Calme-toi. Peut-être l'occupe avec le travail. Calme-toi d'abord, calme-toi. Ça sonne. Ça sonne. Décroche, s'il te plaît, décroche. Hey, Adana, calme-toi. Il ne décroche pas. Adana, écoute-moi. Il est peut-être occupé avec un travail. Mais pas quel travail. Tu sais quoi? Donnons-lui à peu près 2 heures de temps. Après 2 heures de temps, on va encore appeler. Il va décrocher. Ifunai, le seul que j'ai pu avoir depuis longtemps. Personne ne va te l'arracher, ne t'en fais pas. Calme-toi. Bon après-midi, monsieur Ikenna. Ah, tu es là? Je ne t'attendais pas. Hein? Ogadima est là? Cette façon de venir sans prévenir. J'espère que tout va bien. Tout va bien. D'accord. Je suis juste venu pour la voir et l'amener en balade. Oh. J'espère que ça ne vous dérange pas. Non, pas du tout, pas du tout. Je n'ai aucun problème avec ça. Hein? Attends une minute, ok? Je vais l'appeler là à l'intérieur. Ah oui. Ogadima! Ogadi! Ah ah! Viens, 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 viens. Il y a quelqu'un qui est là pour toi. Elle arrive. Ah. Voilà, elle arrive. Elle est déjà là. Ouais. Ogadi! Ogadi, Gadi, Ogadi, comment tu vas? Bon après-midi. Bon après-midi. Écoute, je suis venu pour t'amener en balade. Pour qu'on puisse passer du bon temps ensemble. J'espère que ça ne te dérange pas. J'espère que ça ne te dérange pas. Elle ne voit pas d'inconvénient. Monsieur Shima, s'il vous plaît, rappelez-vous, hein? Quand vous êtes en train de sortir pour vous amuser, hein, s'il vous plaît, rappelez-vous de la ramener à la maison à temps. Pas de problème. Ok. Je ferai comme d'accord. ça. D'accord. C'est d'accord. Monsieur Ikenna. Ok. On se dit à tout à l'heure. Oh oui, à plus tard alors. Hein. Je demande. Où est-ce qu'il a pu bien l'amener? Hein? Il devrait déjà être rentré. Ah.
Ikina? C'est pas vrai. Que se passe-t-il? Mon ami, tu peux me dire ce qui t'arrive? Hein? Pourquoi ton visage est-il aussi crispé? Tu bois la bière comme une personne qui est sur le point de se suicider. Est-ce que tu vas bien? Je suis en train de regretter. Regretter quoi? Attends, je prends le banc. Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu regrettes? Tu vois cet homme qui se fait appeler lui-même Chima? Ses intentions ne sont pas bonnes. Comment? Tu t'imagines? Est-ce que tu t'imagines qu'il est venu chercher Ogadzima pour une balade pendant plus de 3 heures de temps? Ils ne sont pas encore rentrés. 3 heures? 3 heures de temps! Il ne l'a pas encore amené! 3 heures et ils ne sont toujours pas rentrés? C'est pas vrai! Ça, c'est dangereux. 3 bonnes heures. Donc, seulement depuis 3 heures qu'ils sont partis? Et déjà, tu te plains? Hein? Ne me dis pas que tu es en train de faire une scène de jalousie. J'ai comme l'impression que la jalousie est en train de te ronger. Voilà. Moi? Oui. Être jaloux? C'est évident. Pourquoi? Je suis pas jaloux. Pourquoi je devrais être jaloux? Hein? Alors, juste une sorcière ordinaire. Une sorcière ordinaire que j'ai déjà faite. Et c'est pour ça que je devrais être jaloux. Pour quelle raison? Ce que j'essaie de te faire comprendre, je veux juste me rassurer qu'elle est en sécurité. Oh, je rien vois. D'autre. Tu es devenu gardien de sécurité. Mon ami, laisse-moi te dire quelque chose. Ce sont déjà deux adultes. Ce sont deux adultes consentants. S'ils le veulent, ils peuvent rester là-bas pendant 4 heures. Seulement 3 heures. Écoute, tu veux qu'ils se marient, non? Donc ils doivent chercher à mieux se connaître, tu vois? Exposer leurs aspirations et leurs rêves, tu vois? Tu vois qu'est-ce que c'est? Mon pouvoir, ce que je veux dire. Mon vieux, calme-toi, ils vont bientôt rentrer. Les voilà qui arrivent. Ah, monsieur Chima. Oui, monsieur Ikena. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Je vais très bien, je vais très bien. Bienvenue. C'est pas vrai. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que cela signifie? Quoi? Je suis en colère! Fâché pourquoi? Pourquoi? Je veux pas répondre à cette question stupide! Pourquoi est-ce que tu es sorti avec lui et tu as mis tout ce temps? Pourquoi est-ce que tu lui as pas dit que tu avais quelque chose à faire à la maison? Tu rentres à 7 heures de la journée? Est-ce que c'est décent de ta part? Ok, je suis désolée, ça ne se reproduira plus. Est-ce que c'est décent de ta part? Arrête de hurler, je n'aime pas ça. Je suis en train de crier maintenant! Monsieur Ikena est maintenant un crieur! Je vois! C'est de ma faute! Oui, c'est de ma faute! Parce que je t'ai donné l'opportunité de sortir que c'est de ma faute! Maintenant, je suis un crieur! Dis-le à tout le monde! Ça suffit! Non, ça plus. Suffit! Est-ce que c'est bon? C'est quoi ton problème? Je suis désolé. Pourquoi es-tu désolé? Tu me l'as déjà dit plus de 5 fois depuis que je suis entré dans ta voiture. Pourquoi? Ouais, je suis désolé parce que... Je ne suis pas venu te voir pour te dire de quoi on a parlé hier. Dis-moi une chose. Pourquoi tu choisis de vivre avec ton ami alors que tu as une famille? C'est une longue histoire. Je te raconterai tout plus tard. Alors, comment ça s'est passé avec mon frère? J'espère qu'il n'a pas été trop dur avec toi. Non, pas vraiment. Mais dis-moi, j'aimerais savoir plus sur ta famille. Ma famille? Oui. Ok. Attends. Ce n'est pas ton frère, là? Si. Il est venu voir sa petite amie, qui est ma meilleure amie. Oh, je vois. Donc, ton amie est la mante de ton frère? Oui. Regarde-les. Ils s'aiment énormément tous les deux. J'ai trop hâte qu'ils deviennent mari et femme. Ah. Dis-moi, quel est ton lien avec Ogadzima?
Tu l'as aussi rencontré? Cette fille est une sorcière. Oui. Depuis que cette fille est entrée dans la maison de mon père, mon frère que tu vois n'a plus jamais connu le bonheur. Oui. Écoute. Dans la tradition, elle était promise à mon frère quand elle était enfant. Alors ma mère a forcé mon frère à l'épouser. Depuis lors, aucune paix dans la vie de mon frère. Mon frère n'est plus heureux. Regarde-les. Et? Ne sont-ils pas heureux maintenant ensemble? Ils sont censés être mari et femme, pas avec Ogadima. Oui, et celle d'Ogadima à la maison, cette femme, sais-tu qu'elle était incapable de donner à mon frère même un demi-bébé? Et? Je t'assure, concevoir, rien, fausse couche, rien. C'est une femme stérile, je te le dis, elle est stérile. Je vois. Alors, oublions un peu Ogadima et tous ces problèmes de ma famille. Oublions, parlons de nous. Quelque chose te préoccupe? Oui, tu es en train de rire, mais lorsque je te regarde, je peux te dire que quelque chose te préoccupe. Qu'est-ce que c'est? Oui, je suis pas contente de toi. Pourquoi n'es-tu pas venu me rendre visite hier? Je l'ai bien dit. Hein? Le fait que tu me regardais et tu t'es mise à courir comme si tu étais en train de jouer, quelque chose m'a fait comprendre que tout ne va pas bien. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, ok? Tu sais que je n'ai plus que 2 jours qui me restent. 2 jours pour être avec Ogadima. Mm-hmm. Hein? Et après, elle sera partie pour de bon. Donc, il fallait que je reste là pour parfaire le plan. Tout cela, c'est pour ton bien. Tu devrais être contente. Donc, tout avance comme prévu, alors. Oh, Seigneur. Tout se passe absolument bien. Tu en es sûr? Oh, lis sur mes lèvres. Je dis bien. Je suis très sûr. Oh. Alors, tu vois, je t'aime aussi. Et je fais tout ce qui est humainement possible pour te prouver que j'ai un amour si grand et si solide envers toi. D'accord? Okay. Alors, tu n'as pas besoin d'inquiéter. Il faut, Nania. Mon amour, viens par là. Oh, je suis impatiente de vivre avec toi. Très bientôt, d'accord? Très bientôt, ok? Le plan suit son cours. Très bientôt, tu viendras. Hein? Et nous serons ensemble tous les matins, à midi, le soir et même tard. Attends que je te dise, aujourd'hui, tu ne rentres pas tôt. Oui, tu ne rentreras pas tôt. Tu quitteras d'ici vers 18h, 19h en fait. Oh. Oui, c'est ce que je veux. Je veux que tu passes de bons moments avec moi. Ah, j'ai pas de problème avec ça. Et même si tu veux que je reste à 7h30 ou 8h du soir, il n'y a pas de problème. Toutes les fois où je suis avec toi, ma vie est comblée. Je t'assure. Ah, je ne sais pas. Ma tête est juste... À chaque fois que je te vois, mon cerveau est toujours en train de... Je ne sais pas souvent ce qui m'arrive. On dirait que mon cerveau est en train de bouillir. C'est comme si tu m'en foutais. Ike? Ike, ton repas est prêt. Viens manger à l'intérieur. C'est dans la chambre. Merci. Mais je n'ai pas faim. Mais pourquoi? Ike, que se passe-t-il? Tu refuses de me parler depuis hier. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Ike, souviens-toi qu'il ne me reste que quelques jours à passer dans cette maison. Ike, tu m'as montré un homme à épouser et je l'ai quand même accepté. C'est ça le problème. C'est ça mon problème, madame. Pourquoi? C'est ça le problème que j'ai. Je ne sais vraiment pas. Est-ce qu'il t'a vraiment accepté de tout son cœur? Ou alors il est en train de jouer avec nous? Parlons par exemple bien. Lorsque vous êtes sortis tous les deux là-bas, vous y avez passé beaucoup de temps. Et je ne sais pas ce qu'il t'a fait. Non, dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a fait? Oh! Je peux très bien le voir dans tes yeux. Tu as vraiment adoré tout ce qu'il t'a fait, n'est-ce pas? Tout ce qu'il a pu bien te faire, tu as aimé. Je peux le voir. Je comprends. Bon, dis-moi. Est-ce que tu l'as aimé?
Comment est-ce que je la trouve? Ça suffit! J'en ai assez! Comment c'était là-bas? Réponds-moi. Oh, il a mis plus de temps, n'est-ce pas? Oh, oh, je vois! Il a enfin été capable de t'offrir le plaisir dont j'ai été capable de te donner toutes ces années. Je comprends pourquoi tu es si contente. Et tu marches gaillardement, telle une fleur qui est si épanouie. Et tu viens me dire, ton repas est prêt. Est-ce que tu veux manger? Je ne veux pas du tout manger! Je suis vraiment déçue de toi! Qu'est-ce qui te prend au juste? Je suis extrêmement déçue de toi! Je croyais que tu avais un peu confiance en moi. Ike, moi, Ogadzima, Ike, je vis avec toi depuis cinq longues années sans sexe. Et je ne me suis jamais plaint. Même si je savais que c'était entièrement de ta faute. Ike, tu m'as bien fait comprendre que ton cœur appartenait à une autre. Tu m'as bien fait comprendre que tu ne m'aimes pas du tout. Et tu doutes de ma personnalité. Ah. 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 Je suis désolé. Ne me touche pas. Non. Tu sais quoi? Je te libère. Je te libère de tout. Je te libère de tout ce que tu penses me devoir. Oui, tu peux partir. Va-t'en. Et ramène ta maîtresse. C'est fini. Ogadzima, je suis désolé, ok? Je pars de ta maison. Tout de suite. Non, 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 non. Je suis désolé, ok? Je suis désolé d'avoir utilisé des paroles violentes contre toi. Ogadzima. Ogadzima, c'est bon, non? Je suis désolé de toutes les paroles blessantes que j'ai dites. S'il te plaît, Ogadzima. Ogadzima, je suis désolé, ok? Je t'en prie, je suis désolé. Je t'en prie. L'amour peut être stupide parfois. Oui. L'amour peut être si stupide. Ah. Ah là là. Monsieur Chima, vous êtes là. Bonjour, monsieur. Odigoma, comment tu vas? Je vais bien. Mais pourquoi m'appelez-vous ainsi? Vois-tu, je préfère t'appeler Odigoma plutôt. Il n'y a que ma grand-mère qui m'appelait comme ça. Ah, vraiment? Oui. Wow, tu as l'air plus rayonnante aujourd'hui. S'il te plaît, ne laisse pas se serrer partie de ton visage aujourd'hui. Merci.
Ouais, ton frère, je veux dire, Ikena. Le voilà. Que s'est-il passé? J'ai oublié mon téléphone et je ne le vois nulle part. Il doit être à l'intérieur. S'il te plaît, donne-le-moi, je t'en prie. Bonjour, monsieur Ikena. Bonjour, monsieur Tima. Vous êtes là si tôt? Je ne m'attendais pas du tout à vous voir. Je suis désolé pour ça. Je suis juste venu voir Ogadima et voir comment elle se porte. Ah. Oui. Ok. Merci, hein. Merci. Mais, êtes-vous juste venu la voir pour savoir comment est-ce qu'elle va? Ou alors vous êtes venu nous dire également que vous avez accepté notre proposition? Hein? Monsieur Ikena. Le mariage n'est pas une chose dans laquelle on se précipite. Pour éviter de commettre une erreur. Mais pour vous dire la vérité, Ogadima me plaît. Elle a tout ce que je recherche chez une femme. Comme vous me l'avez dit. Oui, j'aimais Adane au début. Mais les connaissant toutes les deux, je crois que je préfère Ogadima. Ah, je te l'avais dit. Je t'avais dit qu'elle était une très bonne femme. C'est comme si je te disais 12. Et toi, tu me disais une douzaine. Est-ce que ce n'est pas la même chose? Je sais. Alors, dis-moi. Quand est-ce que tu vas payer la dot? Aujourd'hui? Demain? Ou prochainement? Dis-moi. Monsieur Ikena, dès qu'on remboursera la vôtre. Quoi? Oui, vous pensez que je ne saurais pas? Le monde est petit. Écoutez, Omulba est une toute petite ville. En dehors de ça, toute personne qui voudrait aller en mariage et toute personne qui voudrait se marier doit poser des questions. Vous comprenez? Alors je voudrais que vous me disiez, pourquoi avez-vous choisi de marier votre femme? Mais vas-y, parle! Hein? Dis quelque chose, c'est quoi le problème? Depuis là, tu es seulement silencieux. Ok, est-ce que tu t'es encore disputé avec Ogadima? Hein? C'est quoi le problème? Tu as l'air tendu. Tu as l'air préoccupé. Il a découvert la vérité. Quelle vérité? Et qui? Chima. Chima, le mec que je voulais qu'il épouse Ogadima. Il sait éventuellement que Ogadima et moi sommes mariés. Oh. Et ça me préoccupe. Oh. Mais pourquoi? Hein? Pourquoi? Oh. Ah oui, peut-être qu'il s'est renseigné chez les gens. Je ne sais pas. Ok, ok. Ça veut dire que ce ne sera plus possible, n'est-ce pas? Ce ne sera plus possible. Je ne peux pas le dire. Et le plus mauvais dans toute cette histoire, c'est que je n'ai plus que 2 jours qui me restent. 2 jours dans les 1 semaine qu'il faut Nania m'a donné. Hein? Qu'est-ce que je peux faire? Le plan était presque parfait. Et tout à coup, tout est fichu. Ikema, calme-toi, d'accord? On trouvera bien une solution à tout cela. Ne t'inquiète pas, on va régler ça, ok? Ah! Que vais-je faire? Oui, je sais que le temps est écoulé, mais on va régler tout ça. Adane, qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il encore? Hein? Ifunaya. Hein? Je ne comprends plus Shima maintenant. Il se comporte très bizarrement envers moi ces derniers jours. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Shima était très gentil et très doux avec moi. Mais ces jours, il cherche tous les prétextes possibles pour s'éloigner de moi. Je ne sais pas ce qui ne va pas.
a-t-il déjà goûté le truc là? Non. Tu es sûre? Non. Ne viens pas prétendre ici. Dans ce cas, apprends à retenir ton homme. Retiens ton homme. Trouve un moyen pour qu'il n'arrive pas à regarder une autre femme. Je ne comprends pas, hein? Apprends-moi comment faire cela. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Regarde Ikena. Ikena, de toute sa vie, ne saura jamais être amoureux d'une autre femme. Cela n'arrivera jamais de toute la vie. Car je l'ai enchaîné. Juste là. Oui. Là. Ifunaya. Tu es en train de me dire que tu retiens mon frère avec une puissance spirituelle. Aurais-je mentionné le mot spirituel? Quand tu ne plaises. Il ne s'agit pas de ça. Explique-toi. Je suis tout simplement en train de te demander de l'amener à être amoureux de toi. Trouve des tactiques. Trouve quelque chose. Hein? Écoute, trouve un moyen. Des tactiques. Quand je le verrai, je trouverai un truc à faire. Mais il ne cesse de s'éloigner de moi. Comment vais-je faire? Reprends-moi un peu. Il t'arrive soin de lui embrasser les oreilles? Ifunaya. Ses oreilles? Non. C'est toi la cause de ton problème, non? Quelquefois, fais juste comme si tu voulais lui dire quelque chose. Alors, tu embrasses son oreille. Ça va le secouer comme ça. Ifunaya. Donc, quand je le verrai, je vais juste embrasser ses oreilles. Ah d'accord, Ifunaya. C'est ça. Essaye quelquefois de le toucher à certains endroits. Tu vas voir. Ça va marcher. T'as compris? Ifunaya. Rien, le mensonge. Ogadima, pourquoi m'as-tu menti? Dis-moi, pourquoi veux-tu laisser ton foyer à une autre femme? Cela signifie que tu ne l'aimes pas? Je l'aime. Je l'aime vraiment. Alors, pourquoi ne pas lutter pour ton amour? Il n'y a rien à discuter ici. Cet amour est à sens unique. Il appartient à une autre femme. Il appartient à une autre femme? Et pourquoi l'as-tu épousé? Sachant bien qu'il est amoureux d'une autre femme. Je n'étais pas au courant. Je ne savais pas que son cœur appartenait à une autre femme. Je n'étais pas au courant de leur relation. J'ai vécu toute ma vie avec ma défunte grand-mère dans mon village natal. Je suis revenue dans cette ville après sa mort. Je ne savais pas que j'étais promise à quiconque. Et quand je suis revenue, la mère de Ikena voulait tellement qu'on se marie. Et c'était tout. Et j'ai appris l'existence de Ifunaya 2 mois après le mariage. Donc je ne savais pas que son cœur appartenait à une autre. Dis-moi, est-il d'une quelconque façon méchant envers toi? Non, il n'est pas méchant avec moi. Tu sais, Ikena est un homme très gentil. Il est vraiment si gentil. Il est le genre d'homme que toutes les femmes rêveraient d'épouser. Crois-moi, mais ça fait mal. Ça fait tellement mal de savoir que l'homme auquel on est marié est amoureux d'une autre femme. Que voulais-tu que je fasse? Je n'ai pas eu le choix. Je n'ai pas eu le choix. Ça va. Ça va. Je peux comprendre ce que tu ressens. Tu sais, je suis avocat. Tu veux que je le traduise en justice? Non! Ne le traduis pas en justice. Non, tu peux pas faire ça, non. Pitié, je t'en supplie. Tout ce que je veux, c'est son bonheur. Oui, si Ikena est heureux, je suis heureuse. Je suis heureuse, je serai heureuse. Je veux voir Ikena heureux. Son bonheur est mon bonheur. Si aller chez une autre femme le rend heureux, qu'elle soit avec elle pour toujours. Je ne peux pas vivre. Je ne peux pas vivre sans lui, je ne peux pas. Pas que je ne puisse pas vivre sans lui, je peux tout supporter. Pardon, ne le traduis pas en justice. Pitié, je t'en supplie. Ça va. Ça va. Je vois que tu es une très bonne femme. Ton type est difficile à trouver. Ça va. Ok? Ça va aller.
Ah ah. Et Funania? Tout va bien. Qu'est-ce que tu fais ici très tôt? Je suis venue passer du temps avec mon homme. Il m'a tellement manqué. Et je n'ai pas dormi de toute la nuit. Je ne peux pas pour aller au boulot. Boulot, tu dis? Regarde-là, tu as du boulot par ici. Les travaux champêtres seront pour plus tard. Viens que je te réchauffe. Hein? Tu m'appartiens, ok? Viens, viens. Viens avec moi. Viens, regarde-là. Viens, allons-y. Regarde, hein? Allons-y, allons. Garde ton regard fixé là. Juste là. Allons-y. Ouais. Allons-y. Ouais. Tu aimes ça, n'est-ce pas? Alors, touche à ça. Oh, continue à regarder. Regarde. Oui, mon trésor. Allons-y, allons. Viens. Ouais. Suis-moi. Oh. Viens avec moi, mon chéri. Oh. Oh, mon bébé. Oh oui, touche-moi. Vas-y, touche-moi. Oh oui, ouais. Bébé. Oh. Oh bébé. Oh oui, vas-y, touche-moi. Oh. Oh oui, j'aime ça. Touche-moi. Oh. Oh bébé, vas-y. Oh oui. Oh. Oh oui, attends. Oh. Oh bébé, attends. Attends. Oh oui. Oh. Oui. Oui, chérie. Oh non, attends. Oh. Ah. Oh, tiche, ça m'a fait un grand bien. Ah, et wow, ça m'a fait du bien. Oh, je me sens bien. Ah, c'était doux. Wow. Tu es un homme. En fait, t'es méchant. Tu es une pomme. Tu es mauvaise. T'es une mauvaise fille, Funania. Uh-huh. Regarde ce que tu m'as fait, hein. Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça, hein? Regarde. Tu as fini toutes mes forces. Je ne suis plus sûr que je vais encore aller au travail, hein. Pourquoi? Calme-toi, mon amour. Ne te stresse pas du tout. Il n'est pas obligatoire que tu ailles au travail aujourd'hui, ok? Oh, je vois. Bientôt. Une semaine sera expirée et j'ai hâte d'être dans tes bras toutes les nuits et tous les jours. T'as oublié tous les après-midi. Tous les après-midi. C'est délicieux, hein. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Je t'aime du plus profond de mon cœur. Ça se voit, bébé. Écoute, viens me rendre visite cette soirée encore, ok? Bien sûr. J'ai une grosse surprise pour toi. Hey. Hey. Ah. Qu'est-ce qui peut coûter mieux que ce que je suis en train de voir? Hein? 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 Ah. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime, oh, Maïfou Nania. Hein? Oh, baby. Ah. Ah. Hey. Ah. T'es une mauvaise fille. Lorsque oh, je dis oui, que t'es oui, une mauvaise fille, oui, tu oui. dois savoir que je dis la vérité. Hein? Oh, mon cœur. Ah, Seigneur. Tu es trop fort. Oui, écoute, je voudrais pas que tu me fasses attendre ce soir, ok? Je suis déjà là-bas. Je suis déjà là-bas. Hey! À plus, bébé. Je n'ai que fou de toi. Je m'en fous de tout. Je m'en fous de toi. Je trouve toujours le moyen de me faire rire, hein? Oui, mon amour. Oh! À plus tard! Oh mon Dieu! Seigneur! Il y a une différence. Ouais. La différence est claire. Il y a une différence. Une très grande différence.
Ah. Tu vas bien? Oui. Tu en as sûr? Oui. Si tu le dis, prépare-moi de l'eau pour le bain. De l'eau chaude ou de l'eau froide? Qu'elle soit chaude. Ogadima, ton silence est en train de me tuer. Allez, je sais que tu es en colère contre moi à cause de ce qui s'est passé plus tôt. Je sais, même si tu ne le dis pas. Mais allons, tu n'as pas besoin d'avoir cette mine. Je suis désolé, ok? Ne t'inquiète pas. Je vais bien. Ogadima. Ne me touche pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ogadima. J'ai dit ne me touche pas. C'est un... Ne fais pas ça, ne. Ok? Ne me touche pas. Ogadima, arrête ça! Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Pourquoi ce comportement? Oui, je sais que j'ai mal agi. Je sais que j'ai mal agi en emmenant une autre femme dans notre chambre conjugale. Oh, tu le sais. Oui, je le sais. Mais alors, elle m'a pris en dépourvu. Allez! Pourquoi est-ce que tu le fais? Bon sang, ton silence est en train de me tuer. Fais tout ce que tu veux de moi! Insulte-moi, frappe-moi! Tout ce que tu veux, crie sur moi, peu importe! Mais s'il te plaît, je suis désolé. Je suis sincèrement désolé, ok? Désolé, pourquoi? Hein? Écoute, tu ne me dois aucune explication. Tu fais ce en quoi tu crois. Alors continue, continue comme ça! Je m'en fiche. Excuse-moi. Oui, je vais bien. Je suis de mauvaise humeur depuis le matin. Non, je ne te le dirai pas. Je ne te le dirai pas. Écoute, je suis juste de mauvaise humeur. Rien de grave. Je ne te dirai rien. Et si je dis que je n'ai pas envie de sourire? Qui t'a dit que je souris? Hey! Tu es sûr? Laisse-moi tranquille. Que veux-tu que je te dise maintenant?
Ok, attends, attends, attends. Tu vas venir? Quand est-ce que tu viens? Merci de me remonter le moral. Parce que j'étais vraiment de mauvaise humeur. Tu m'as redonné le sourire. Bye. Oh, Gazima. Qui c'était? Ça ne te regarde pas. Alors, c'est déjà arrivé au stade où toi, Ogazima, tu t'emmourages et caresses les hommes en public, hein? Oh, tu as perdu le sens de la dignité et tu es impudique. Tu me fais honte. Regarde comment tu t'emmourages avec un homme en public. Hein? Oh, Dieu merci. Dieu merci, je suis pas allé au travail aujourd'hui. Sinon, je n'aurais pas du tout été au courant. Qu'un acte aussi insensé se produise tout le temps sous mon dos. Oh! Hein? Oh! Dieu merci. Dieu merci de me révéler ceci. Merci Seigneur. Okadima, laisse-moi te rappeler, au cas où tu l'aurais oublié. Est-ce que, ou alors es-tu au courant que je suis encore ton mari, moi Ikena? Et que tu n'es pas du tout censé permettre à un homme de s'approcher de toi. Jusqu'à ce que ta dot me soit entièrement remboursée. Va donc la récupérer! Qu'est-ce que tu attends? Écoute, tu n'as plus aucun droit sur moi désormais. Tu m'entends? Tu l'as perdu le jour où tu as amené un autre homme me demander en mariage. Oui, et le pire dans tout ça, tu as emmené ta soi-disant maîtresse dans notre chambre conjugale. Et tu as couché avec elle en ma présence, t'en foutant de ce que je ressentais. Hein? Donc je devrais maintenant t'applaudir? Donc, c'est toi qui as raison? Hein? Et je n'ai pas le droit de parler à un autre homme en dehors de toi. C'est à moi que tu parles. C'est à toi que je parle. Ne me suis-je pas excusé? Tu n'es qu'un menteur. Ne me suis-je pas excusé? Laisse-moi tranquille. Ogazima. N'essaie même pas de t'approcher. Je suis encore en train de t'approche parler. Pas. Tu t'en vas. Ogazima. Ogazima, ouvre-moi cette porte. Ouvre cette porte. Ogadima! Ogadi! Oui. Quoi, oui? Tu ne m'as pas entendu t'appeler? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi, oui? Tu cries mon nom. Qu'est-ce qu'il y a? Enlève cette nourriture de là! À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus manger aucune nourriture cuisinée par toi! Je ne veux pas mourir avant le temps! Et quitte!
t'a dit que ce succulent repas que j'ai préparé là est pour toi? Hein? Qui t'a dit que ce délicieux plat que j'ai cuisiné? Hein? Ikena, que j'ai cuisiné? Est pour toi? Qui te l'a dit? Hein? N'importe quoi. Mais ce sont mes assiettes préférées! Celles dans lesquelles tu me sers le repas! Ah bon? Ah ah! Ah ah! Vraiment? Dis-moi, Ikena, les gens qui ont fabriqué ces assiettes ont-ils de quelque façon écrit ton nom dessus? Hein? Ont-ils écrit ton nom dessus? Monsieur Ikena, je te supplie pour l'amour de Dieu. Il ne me reste que 2 jours. Juste 2 jours pour partir de chez toi en paix. Donc, laisse-moi jouir de mon séjour au maximum. Ok? N'importe quoi. Ah ah! Je suis ton esclave. Moi, n'importe quoi? Foutaise! Œil pour œil, dent pour dent. Ah! Œil pour œil, dent pour dent. Dieu ne me fera rien. Pourquoi est-ce que tu fais ces têtes, hein? Ikena, que se passe-t-il encore? Tu t'es encore disputé avec quelqu'un? Cette fille qu'on appelle Ogadima. Cette fille qui se fait appeler Ogadima. Mon épouse, elle ne va pas me tuer avant mon temps. Que s'est-il passé? Il fallait voir comment est-ce qu'elle m'a insulté. Elle m'a insulté à un tel point que je ne peux m'imaginer. Moi, son mari. Notre propre Ogadima. Mon ami, ce n'est pas vrai. Je n'en suis pas si sûr. Tu veux dire, cet Ogadima okay, que je connais... Laisse-moi te surprendre. Est-ce que tu peux y croire, si je te dis... Mm-hmm. Est-ce que tu peux y croire qu'Ogadima a amené un autre homme dans notre maison conjugale? Vraiment? Et ce n'est pas tout. Il fallait voir comment est-ce qu'elle se couchait sur lui, comme ça. Carrément! Et permettait à cet homme de la câliner. C'est pas vrai. Et la caresser, touchant toutes ses parties intimes. Sans toutefois tenir compte que j'étais là. Elle ne tenait même pas compte de ma présence. Attends. Tu en es sûr? Cet homme qui est-ce? Shima, bien sûr. Shima, c'est Shima et alors? Shima. Shima, et alors? Une seconde. Emeka? Ils étaient supposés faire quoi? Prier? C'est tout ce que tu trouves à dire, et alors? À quoi est-ce que tu t'attendais? N'est-ce pas que c'est toi qui as mené cet homme et allé le présenter à ta femme? Et je ne suis pas en train de le nier. Je l'ai présenté à elle. Et bien parce que je voulais qu'il l'épouse. Hein? Et non de la bécoter de part et d'autre. Vraiment très drôle. Ikena, je ne sais même pas quel est ton problème. Quelle est la couleur de ton problème? Hein? Je ne sais même pas ce que tu veux. C'est toi qui passes ton temps à dire que tu ne veux plus d'elle. Hein? Pourquoi ne pas laisser Ogadima épouser son homme? Je veux dire, tranquillement. Tu es là à parler de câlins, et les caresses, et je ne sais même pas quoi d'autre. C'est normal que ça arrive, non? Je t'ai toujours dit que les câlins et les caresses sont les condiments nécessaires avec lesquels tu prépares la soupe du mariage. Arrête avec ça! Ferme ta gueule! Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi est-ce que tu parles comme si tu n'étais pas le fils de ce village? Est-ce que tu ne sais pas ce que dit notre tradition? Ok, puisque tu as oublié, laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Ok. Selon notre tradition, une femme qui est en mariage, qui est mariée à un autre homme, son mari, n'a pas du tout le droit, quelle que soit la raison, de permettre à un autre homme de venir près d'elle, sans compter le fait de la toucher. Et la câliner. De flirter avec elle. Est-ce que tu l'as oublié? Oui, tu as raison. Mais tu as vraiment tort. Tu as tort parce que... Mec, ce n'est pas possible. Cela ne se peut pas. Tu ne peux pas demander le beurre et l'argent du beurre. Cela ne se peut pas. C'est impossible. Détends-toi. Cela ne se peut pas. C'est toi qui as présenté Shima à ta femme, n'est-ce pas vrai? Alors cela ne se peut pas. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre.
Comment peux-tu te fâcher? Ok, tu veux qu'ils aillent se câliner où? Ils vont se câliner n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Attends un peu. Attends un peu. Ils doivent se faire des câlins. Laisse-moi bien le comprendre. Emeka, j'aimerais te poser une simple question. S'il te plaît, donne-moi une réponse aussi simple. Bien. Est-ce que tu es pour ou contre moi? Avec toi, bien entendu. Non. Ne me dis pas que tu es pour simplement le dire. Parce que ce que je vois maintenant, c'est que tu es une très mauvaise personne. C'est pas tu vrai. Tu es un très mauvais ami. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette conversation. Aussi, Kina, je ne pouvais pas du tout y croire que tu es un très mauvais ami. Tu es hypocrite, une mauvaise personne. Ikina. Voilà ce que tu es. Mais je n'ai fait que dire la vérité. Regarde-toi. Tu es une très mauvaise personne. Les gens d'amis comme toi peuvent m'empoisonner. Tu peux me tuer avant qu'Ogazima ne me tue, avant mon jour. Autrement dit, tu mourras deux fois avant ton temps. Ah! Tu es une très mauvaise personne. Et je te le dis, je ne veux plus jamais venir auprès de toi. Ça, je peux te le jurer. Ikina. Ikina, j'ai juste dit la vérité, non? Hein? Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ok. Qui tape sur un enfant et lui demande de ne pas pleurer? Cela ne se peut pas. Adane, où est-ce que tu vas avec tes affaires? Écoute, où vas-tu? Je rentre dans la maison de mon père. Ifunaya, as-tu oublié? Ogadima quitte la maison de mon père aujourd'hui. Oh, c'est vrai. Je veux voir le spectacle par moi-même. C'est vrai. Je veux aller voir son visage. Oui. Comment elle va pleurer. Honnêtement, écoute, va en paix, ok? Mm-hmm. J'attends ton frère sur place, qui vient me chercher, qui m'amène à la maison. Oui. Je suis la nouvelle femme de ton frère. Je t'attendrai dans la maison de mon bien père. Sûr, okay? Bien sûr, bien sûr. Prends soin de toi aussi. D'accord. Surtout, n'oublie pas de me donner c'est les clair. Nouvelles. De quoi est-ce que tu parles? Tu me feras un bon je rapport. Je te dirai tout. Tout ce qui se passe. Mon ami, merci beaucoup. Oh. Pas de problème. Merci. Bon pied la route, hein? Ok. Bye bye. Moi, Nyaga, toi, ça, c'est clair. Cette sorcière. La sorcière doit partir. Je vais voir ça de mes propres yeux. Tu vas me mettre au courant, oh, de tout ce qui se passe là-bas. Hey. Hey. Je suis impatiente d'aller occuper la maison de mon homme. Ah. Adane. Tu es de retour? Oui, je suis rentrée. Dis-moi, Ogadima, est-elle encore là? Elle est à l'intérieur. Ah,
Dieu merci. Dieu merci. Je suis rentrée pour voir le spectacle. Ogadima doit sortir de ta vie aujourd'hui pour de bon. Je veux voir son visage. Je veux la voir pleurer en sortant de cette maison. Je ne pouvais pas manquer ça. C'est pourquoi je suis rentrée. Attends un peu. Laisse-moi aller déposer mon sac à l'intérieur. Je reviens te retrouver. J'attends voir comment elle va pleurer. Monsieur Ikena, bon après-midi. Bon après-midi. Mon amour. Bébé, comment tu vas? Je vais bien. Comment tu te sens? Je vais bien. C'est bien. Quoi? Bienvenue, chérie. Quoi? Tu viens juste de l'appeler bébé? Que se passe-t-il ici? Exactement ce que tu viens d'entendre. Exactement ce que tu viens d'entendre. Papa, je vais à l'intérieur emballer mes affaires. Vite. J'en ai marre de rester dans cette maison. Fais ça vite. Je ne comprends pas. Tima, Kia, parle-moi. Laisse-le, reste là-bas. Reste là-bas. Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce que ça signifie, Tima? Tu ne sais pas? Quoi? Hey, toi, monsieur sérieux. Tu ne lui as rien dit? Tu ne sais pas? Savoir quoi? Adané, ton frère va mieux t'expliquer. Il connaît toute l'histoire. Mon frère? Demande-lui. Ikena. Mon frère. De quoi est-ce qu'elle parle? Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle a dit que tu pourras mieux m'expliquer. De quoi est-ce qu'elle parle? Es-tu sourd? De quoi est-ce qu'elle parle? Parle-moi! Je veux dire... En fait... Tu vois, je sais pas, j'essaie de comprendre. Laisse-moi me rappeler quelque chose. Tima, parle-moi. De quoi est-ce qu'il s'agit? Parle-moi, il faut que tu me parles. C'est moi, Adané. Calme-toi. Adané, calme-toi. Calme-toi. Écoute, je ne voulais pas te faire du mal. Mais... Comme tu le vois, j'ai choisi d'épouser Ogadima. Quoi? Oui. Oui. Ton frère que voici l'a choisi pour moi. C'est mon futur époux. Et on s'aime beaucoup. Ike, mon frère. Mon seul frère. Elle vient te dire que tu as choisi mon propre homme pour elle. Pourquoi? Ikena, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi as-tu trahi ta propre sœur? Ton unique sœur? Un homme que j'ai envoyé venir te rencontrer, mon propre frère. Pourquoi? Ikena, que t'ai-je fait de mal? Ikena, regarde, je suis au bout, tu vas me renverser. Pourquoi? Adané, je vais t'expliquer. Adané, ne fais pas ça, s'il te plaît. Regarde, je suis au bout, tu es en train de me renverser. Écoute-moi, regarde. Adané, attends, je peux t'expliquer. Je peux l'expliquer, c'est pas ce que je pense. Attends, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, laisse-moi te... Ça suffit, ce spectacle, s'il vous plaît. J'en ai marre de toutes ces bêtises. Chérie? Oui? Attends-moi là. D'accord. J'ai hâte qu'on s'en aille. Moi aussi, j'ai hâte. Laisse-moi aller là-dedans. Emballer mes slips, emballer mes soutiens. Et vite.
emballer toutes mes affaires pour que je parte de cette maison. J'en ai marre de rester avec cet homme-là. Fais vite, s'il te plaît. C'est pour ça que je suis là. Je ne vais pas aller nulle part. Écoute-moi bien. Je n'irai nulle part. Je suis encore ton mari. Et j'ai encore des droits sur toi. C'est quoi ces inepties que je sors de ta bouche? Laisse-moi aller prendre mes pantalons. Laisse-moi aller chercher mes affaires. Gna. Je vais te tuer. Va à l'intérieur et je vois comment tu ressors. Et toi, monsieur? C'est ok. Tu abuses de mon hospitalité. Et maintenant, tu vas sortir. Va-t'en. Loin de ma concession. Tu es un menteur. Tu manques. Écoute, tu... C'est quoi tout ce spectacle? Que signifie ce spectacle? C'est à moi que tu parles? Oui, cher monsieur, c'est bien à toi que je parle. Ton mari? Quel mari? As-tu oublié qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour de Ogadima, ici, dans ta maison? Donc, va là-bas. Et ramène ta soi-disant maîtresse pour que vous puissiez vivre en paix et moi je pourrai vivre avec mon amour. Ogadima, à ma présence. Ne me touche pas. Eh bien si je te gifle, tu vas disparaître. Attends, je vais prendre mes effets. Où est-ce que tu vas? Écoute, je ne peux pas te frapper. Surtout ne me provoque pas. Écoute, si je me fâche maintenant, je vais en finir avec toi. Calme-toi. De toute façon, monsieur, est-ce que vous êtes sourd? Je suis en train de te parler. Tu es sourd? Dégage de ma concession. Ça suffit. Ne me dis pas ça suffit. Ça suffit. C'est ma concession, c'est pas toi qui dictes les règles. Dégage très vite. Est-ce que tu veux que je me fasse de force? Tu sais quoi? Viens ici. Excuse-moi. Je dis viens ici. Viens ici. Sors maintenant, je te brutalise. Sors ou je te brutalise. Tu sais quoi? Laisse-moi tranquille. D'accord. Ne t'en fais pas. Je dois y aller maintenant. D'accord? Je dois partir maintenant et prendre des dispositions avec ma famille. On vient aujourd'hui verser ta dot. Tu es sérieux? Après ça, personne n'aura le droit de m'empêcher de t'amener chez moi. Je t'aime. Cet homme a tué quelqu'un aujourd'hui. Allez, viens ici. Tranquille. Toi et moi, il y a quelqu'un qui va mourir. Va te renseigner. Moi, c'est Ikena. Je vais te punir. Dieu va te punir. Allez, ouvre cette porte. Je vous punirai. Tu m'as retiré le sourire. Dieu va vous punir tous les deux. Aucun respect. Dieu va te punir, Ikena, Ikena. Tu n'auras jamais la paix, Ikena. Dieu va te punir. C'est quoi ton problème? Dieu va te punir. Dieu va te punir. Ikena, tu me fais ça mal. Non, ne fais pas ça. Allez, ne fais pas ça. Dieu va te punir. Dieu va te punir. Adane, je suis désolé, ok? Je suis désolé, je sais que c'était vraiment stupide de ma part. Hein? Mais s'il te plaît, juste cherche une place dans ton cœur, comment me pardonner? Ce n'était pas intentionnel. Tu vois, je ne sais pas ce qui m'a pris lorsque je le faisais. Je ne sais pas. Les pensées d'Ifunanya étaient celles qui remplissaient ma tête. Et je ne veux vraiment pas la perdre. Tu sais, elle a dit que je devais demander à Ogadima de quitter la maison. Hein? Et je réfléchissais, je ne veux pas perdre Ifunanya une fois de plus. Par la même occasion, souviens-toi de la promesse que j'ai faite à maman. Hein? Rappelle-toi de la promesse que j'ai faite à maman avant qu'elle ne meure. Je lui ai promis que je ne vais jamais, oh oui, jamais quitter Ogadima. Que je serai toujours là pour prendre soin d'elle. Hein? Pour dire vrai, j'étais au courant. J'étais au courant qu'un homme est spécialement venu pour toi. Hein? Mais je n'avais pas d'autre choix. Hein? Tu n'avais pas d'autre choix, c'est ce que tu dis. Tu n'avais pas d'autre choix que de donner le propre prétendant de ta sœur à ta femme. C'est ce que tu es en train de me dire. Ikena, pardon. Écoute. Laisse-moi tranquille. Écoute. Je ne veux pas te parler. Je suis désolé, non? Laisse-moi tranquille. Écoute, je ne veux pas te parler. Laisse-moi. Il n'y a aucun problème qui n'ait pas de solution. Laisse-moi tranquille. Ok, je suis désolé, je t'en prie. Tu es en train de te supplier, non? Je suis désolé. Laisse-moi. C'est bon. Regarde comment tu pleures à cause d'un homme. S'il n'y a pas de solution. Laisse-moi tranquille. C'est bon, regarde-moi. Hein, petite sœur? Petite sœur, je suis désolé, non? Je suis désolé. Désolé, on peut le résoudre, non? On peut le résoudre. Hein? Ok, c'est bon. On peut encore arranger les choses. Nous pouvons encore arranger les choses. Emeka, Dieu merci que tu es là.
Dieu merci que tu es là. Je t'en prie, aide-moi à lui parler. Parle à Ogadzima, parce qu'elle est sur le point de commettre la pire erreur de sa vie. Comment ça? Bien. Tu vois cet homme qu'on appelle Chima? Chima lui a lavé le cerveau. Elle me parle maintenant comme elle veut. Ogadzima que je connais, maintenant ouvre sa bouche et me parle n'importe comment. Sans tenir compte du fait que je suis son mari. Ça suffit avec ces bêtises, cher monsieur. Ça suffit. Désormais, je ne suis plus ta femme. Tu as entendu ça? Oui. Est-ce que tu as entendu ça? Calme-toi. Elle dit qu'elle n'est plus mon épouse. En ta présence. Et alors? Est-ce que tu vois le manque de respect? Calme-toi. La Ogadzima que j'avais épousée ne pouvait jamais me le dire. Est-ce la Ogadzima que toi tu connais? Regarde, la Ogadzima que j'avais épousée ne pouvait jamais parler à quelqu'un n'importe comment. Calme-toi. Elle a changé. Calme-toi. Écoute, on dit chez nous qu'on ne met pas le doigt entre un mari et sa femme. Parce qu'après tout ça, vous pourriez m'utiliser pour régler la majorité de vos problèmes. Emeka? Alors maintenant, non. Mais dans ce cas-ci présentement, si tu veux que je te dise la vérité est que je ne sais pas quel est ton problème. Oui. Je ne sais pas, parce que toi-même tu as dit que tu veux sans aucune raison cesser ton mariage, mettre fin à ton mariage avec Ogadzima et faire venir ici Ifunanya, celle que tu aimes. Est-ce que tu as changé d'avis? Bonne question. Tu t'en souviens plus? Tu l'as bien dit, non? Hein? Tu t'es sous l'effet de la drogue? Réponds. Pas vraiment. Hein? Ah. Mais. Maintenant quoi? Non, mais dis-moi. Mais quoi? Hein? Pourquoi est-ce que tu ne libères pas cette fille? Merci. Hein? Ce que tu dois faire, c'est la laisser épouser l'homme qu'elle aime. Alors ainsi, toi aussi, tu iras épouser la femme que tu aimes, Ifunanya. Et là-dessus, le problème sera réglé. Merci, mon frère, c'est ce que je lui ai dit. Hein? Libère-moi, laisse-moi partir. Libère-moi. J'en ai marre de rester dans cette maison. Ça va, calme-toi. Laisse-moi partir. Dieu va bénir. Emeka. Dieu va te bénir. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va bénir qui? On essaie d'arranger les choses et toi tu es là à dire que Dieu va bénir. Dieu va bénir qui? Je ne veux pas être béni. Ce que je veux, c'est que chacun de vous prenne le partenaire sans faire de mal à l'autre qu'il s'est choisi. Hein? Maintenant, toi tu voulais que je te dise la vérité. L'homme qu'on appelle Chima saura très bien prendre soin d'Ogadzima. Sans l'ombre d'un petit doute, c'est exactement c'est ce que je constate. C'est ça la vérité. Tu voulais que je te dise la vérité. Oui. Et moi, Ogadzima, je suis follement amoureuse de lui. Point. Est-ce que tu as entendu ça? Ok, je vais te poser une question. La Ogadzima que tu connais, est-ce qu'elle pouvait se comporter comme ça? C'est pas vrai. Hein? Elle se tient devant moi pour me dire que cet idiot de Chima va l'aimer. Va l'aimer mieux que moi. Allez, mais... Tu as entendu ça, Emeka? S'il te plaît, arrête de me dire de me calmer. T'entends, tu parles, c'est un point de bien soin d'elle. Arrête de me dire de me calmer. S'il te plaît, je veux rien entendre. La femme dit deux mots, toi tu en dis quatre. N'es-tu pas un homme? Hein? Tu es un homme, calme-toi. Il n'y a rien que tu ne peux jamais résoudre. Je veux que tu dises la vérité, sois véridique. Lorsque tu juges, sois véridique, ok? Ok. Ne prends pas parti, je n'aime pas ça. Je ne prends aucun parti. Hein? Mais la vérité doit être dite. C'est déjà bientôt la nuit. Et quelqu'un passait le temps à attendre quelqu'un d'autre de venir avec ses parents pour payer sa dot. Mais la grande question est, est-ce qu'il va encore venir? Ou il s'est déjà enfui et a pris la fuite comme un voleur? Après avoir eu ce qu'il voulait, qui le sait? Mais alors, qu'est-ce que moi j'en sais? Ne penses-tu pas que tu vas mourir de jalousie? Hein, Ikena? Tu étouffes de jalousie. C'est évident. Ça se voit comme le nez sur la figure. Oh oui, regarde-toi. Je me demande depuis quand tu as commencé à boire de l'alcool. Hein? Fais attention. Ikena, fais attention. Parce que tu vas mourir de crise cardiaque. Oui. Mon ex-femme, ancienne femme, ex-femme, c'est ce que tu penses? Hein? Je t'entends dire que je vais certainement mourir de jalousie. C'est quoi la jalousie pour toi? Est-ce que c'est le nom d'une rue? Ah! Cette rue doit être très jolie. Numéro 45, rue de la jalousie.
Où est-ce que tu habites? J'habite au numéro 45 rue de la Jalousie. Laisse-moi rire. Tout le monde sait qu'Ikena est un homme responsable et qu'il tient toujours à ses promesses. Tout ce que j'essaie de faire, ce n'est que d'accomplir la dernière volonté de ma mère. Au cas où je ne le savais pas, sache-le. Papa Ikena, j'ai très honte de toi. Tu es franchement ridicule. Ah, laisse-moi boire. Hey! Écoute, ne garde pas trop espoir. Parce qu'ici, ce n'est pas la maison de mon père. Ce n'est pas la maison de... Ikena, à quoi penses-tu même? Penses-tu que Chima va amener les membres de sa famille dans ta maison? Jamais! Laisse-moi te choquer, cher ex-mari. Je pense qu'à l'heure où l'on parle, à l'heure où l'on parle là, Chima est dans la maison de mon père, avec ses parents, en train de payer ma dot. Oh, ça te choque? Ça te choque? Ça te choque? N'importe quoi. Oui, ça c'est ce que tu mérites. Après avoir pris ce qui m'appartient, pour avoir pris un homme qui m'était destiné, c'est ce que tu mérites. Idiote, imbécile, sorcière, vampire, tu vas voir. Adane! Adane! Et fou, qui Adane. Est-il? Pourquoi es-tu comme ça? Qui t'est navé? Où est passée cette chèvre? Cette idiote! Regardez-moi! Elle est à l'intérieur! Elle est là-dedans! Que s'est-il passé? Je la veux hors de cette concession! Et maintenant, est-ce que tu sais que je suis allée au champ pour demander à Ikena pourquoi cette idiote est encore ici? Et il n'a pas pu me donner une quelconque raison! Pourquoi? Et fou, que puis-je te dire? Elle est encore dans cette maison? Elle est encore là! Sors de cette maison. Elle est là-bas. Elle est là-bas. Madame, où crois-tu aller comme ça? Sors d'ici. Je te veux, toi, idiote, hors de cette maison. Tu blagues. Je blague. Oui, ma chère, ça, c'est la maison de mon mari. Ok. Oui, et Ikena est encore mariée avec moi. Aucune femme, je dis bien aucune femme née d'une autre femme, ne pourra me chasser de la maison de mon mari. C'est à toi de partir de cette maison. Maintenant, dégage. Donc, tu as la force de parler? Maintenant, tu J'ai dit oui. Je défends ce qui m'appartient désormais. Écoute, si tu as reçu une quelconque grâce sous ce toit, c'est parce que je l'ai permis. Parce que Ikena m'appartient. Oui. Je l'ai embrigadé. Dis-le-lui. Et tu le sais. Il est embrigadé ici. Ici, ma chère, Ikena te désire seulement. Il te désire seulement. Le cœur de Ikena m'appartient à moi. Adane, ton frère Ikena est follement amoureux de moi. Lis sur mes lèvres. Tu mens. Oui. Tu mens. Il est juste envoûté par ce truc-là. Dégage. Essaie un peu voir et tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. Je vais t'arracher les dents avec une chienne. Tu ne fais pas peur. Folle comme ça. Tu es qui? Tu veux compétir avec moi? Tu sors de cette maison. Oui. Aujourd'hui même. Tu n'as plus une seule minute de grâce. Tu sors de cette maison. Comme ça, vous voulez me chasser? Jette. Va-t'en. Tombe d'ici. Ne reviens plus. Va-t'en. Ramasse. Voilà toutes tes bêtises. Ramasse. Va-t'en. Voilà toutes ces saletés de vêtements. Tu ne ramasse. Resteras pas un jour de plus dans cette maison. Affaires. Va-t'en. Ramasse ces affaires. Ramasse. Hey, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je passe ces laissés? Ne suis-je pas en train de vous parler? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas chez vous? Tu m'as giflé. Tu m'as giflé à cause de cette idiote. Tu m'as giflé. Non, Ifu Nanya, s'il te plaît. Ne t'en vas pas, je t'en prie. Ifu Nanya. Ifu.
Tu vois ce que t'as causé? Hein? Tu vois ce que tu as causé? Tu vois ce que t'as causé? C'est ton mauvais caractère! Pourquoi? Ce n'est pas possible. Hey! Ikena, je n'arrive toujours pas à croire que tu aies frappé Ifunanya. Je n'arrive pas à croire cela. Une femme que tu prétends aimer autant. À cause de cette chose qui est là appelée Ogadima. Tu l'as giflé. Hein? Laisse-moi te demander quelque chose. Ogadima t'a-t-elle jeté un sort? Hein? Une femme qui a une liaison juste sous ton nez dans cette maison. Et tu es au courant de tout ça. Elle n'est pas digne d'être appelée ta femme. Elle est dévergondée. Elle n'est pas censée être dans cette maison. Pas du tout. Pourquoi te battre pour elle? Tu m'as même giflé. Ta propre sœur. Hi! Adane. S'il te plaît, je suis désolé. Pour tout ce que j'ai eu à te faire dans cette maison, ok? Ce n'était pas du tout intentionnel. Tu vois? S'il te plaît, je voudrais que tu parles à Ifunanya. J'aimerais que tu lui adresses le pardon de ma part auprès d'elle. Parce que je sais qu'elle ne voudra pas du tout m'écouter. Elle ne veut même plus me parler. Je t'en prie, fais-le pour moi. Mmh. Tu veux que je parle à Ifunanya de ta part? Commence pas à t'excuser auprès de moi parce que tu m'as giflé. Je me suis déjà excusé auprès de toi. Je n'ai pas entendu. Tu dois encore le dire que tu es désolé. Ok. Adane, ma sœur, je suis désolé pour tout ce que j'ai eu à te faire. Est-ce que ça va maintenant? Ça me va. Tu sais que Adane t'aime énormément. Tu es mon seul frère. Je ferai n'importe quoi pour mon frère. Ok. J'irai m'excuser auprès d'Ifunanya de ta part. Et je lui parlerai pour qu'elle te parle et qu'elle te pardonne. Mais laisse-moi te dire ceci. L'Ifunanya que je connais ne voudra pas mettre son pied dans cette maison tant que Ogadima serait encore là. Donc tu dois la chasser d'ici. Oui. Chasse-la d'ici. Laisse-la partir. Oublie la promesse que tu as faite à maman. Chasse-la d'ici. Ainsi, tu seras heureux. Ainsi, Ifunanya sera avec toi pour de bon. Vous serez très heureux. Et je sais que Ifunanya est fertile. Elle te donnera beaucoup d'enfants. Je la connais, c'est mon amie. Ah. Arrête de réfléchir. Arrête de réfléchir. Ah. Et Ifunanya? Tu es venu avec tous tes effets? Oui, oh. Je suis venu prendre ce qui m'appartient. Et de quelle possession tu parles? Oh, la sorcière, tu te la dis. Hein? Tu es encore là-dedans. Écoute, je ne veux pas de drame. Si tu me regardes bien, tu peux comprendre que je ne suis pas ici pour un quelconque drame. C'est soit tu l'as choisi et je m'en vais, ou tu me choisis moi et elle s'en va. Fais ton choix, Osbo, maintenant. Je n'ai pas de temps à perdre. Fais-le maintenant. Maintenant. Ifunanya, tu sais que je t'aime beaucoup. Je veux dire, tu sais que je... Mon amour t'appartient et à personne d'autre. Ikena, c'est pas de ça qu'on parle. On parle pas de ça. Ogadema doit partir.
Tu dois quitter cette maison. Hé, mon ami, ferme ta bouche. Une sorcière comme ça, si je te gifle là, tu vas voir. Ogadima n'ira nulle part. C'est toi qui t'en vas. Et tu pars de la maison de mon père, sur le champ. Oui, tu pars. Ike, tu vois cette fille? Elle est mauvaise. Cette fille que tu vois, Ifunanya. Hey, je ne savais pas que cette fille était si mauvaise. Je ne savais pas que tu avais une mentalité aussi maléfique. Adonai. Même à moi, ton ami. Adonai. Hey, mon propre frère. Ah, est-ce que c'est Ike, toi, Adonai? Adonai. Sais-tu que cette mauvaise fille ici présente est responsable de l'incapacité d'Ogadima à faire des enfants? Oui. De quoi est-ce que tu es en train de parler? Oui. Hein? Adane, sois sérieuse. De quoi est-ce que tu parles? Je suis sérieuse. Je ne sais pas de quoi elle parle. Ogadima, qu'as-tu fait, mon ami? Espèce de sorcière. Adane. Ce n'est pas dans ton sac. Adane, arrête ça, d'accord? Il y a quoi dans le sac? De quoi est-ce que tu parles? Ikena, cette fille faisait de terribles incantations que tu n'aimeras jamais aucune autre femme de toute ta vie. Qu'elle t'a enfermée à l'intérieur. Ah oui, oh Adonai. Oui, oui. Que tu n'auras jamais d'érection. Ça, c'est ce que cette fille, cette mauvaise fille t'a fait. Ikena, tu es à moi. Aucune autre femme ne t'aura. Oui, ça fait déjà 5 ans que j'étais enchaînée. Tu n'auras jamais d'érection avec une autre. Tu n'auras jamais d'érection avec une autre que moi. Je reprends. Tu n'auras jamais, Ikena, d'érection avec une autre femme que moi. Je t'ai enchaîné spirituellement. Oui. Oh oui. Tu m'as entendu? Hein? Est-ce que tu m'as entendu? Tu es à moi. À moi pour toujours. Jusqu'à la fin des temps. Tu es à moi. Un point et c'est tout. Rien ni personne ne changera cela. Rien ni personne ne changera cela. Tu es enchaîné. Oui. C'est ainsi que je vais t'emmener. Il est temps. Allons-y. Ifunanya, mon ami. Oh, je n'en crois pas mes oreilles. Donc, Ifunanya a jeté un sort à mon frère. Hey! Mon frère, enfermé à l'intérieur. Ce n'est pas possible. Tu as fait ça à mon frère. D'ailleurs, attends. Attends. Qu'est-ce que tu attends? Il n'y a rien dans mon sac. Il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Attends, je vais sortir ça. Je vais sortir ça. Il n'y a rien dans mon sac là-haut. Oh non, il n'y a rien dans mon sac. Amen. Hey. Je me couvre du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus, couvre-moi. Adane, mais montre qu'elle a non. Non, mais qu'est-ce que tu attends? Attends. C'est dans ce sac. C'est dans ce sac, oh. À cet endroit. Le voilà. Qu'est-ce que c'est? Le voilà, oh. Le voilà. Voici ce que cette fille a fait à mon unique frère. Le voilà. Voici ce qu'elle a fait à mon frère unique. S'il te plaît, je suis désolée. Pardonne-moi. Pardonne-moi, je t'en supplie. Je l'ai fait à cause de l'amour que j'ai pour toi. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne voulais pas qu'une autre femme t'emporte avec elle. J'étais frustrée lorsque j'ai découvert que ta mère préférait Ogadima à moi. Alors je me suis fâchée. Et puis je l'ai tuée. Ah! Je l'ai. Tu es mort. Tu as tué maman. Étranglée. Tu es mort. Je l'ai étranglée.
Funaya, tu as tué ma mère. Tu as tué ma seule mère. Désolée. Funaya, tu as tué ma mère. Ce n'est pas possible. Tu as tué ma mère. Funaya. Funaya, tu es sans cœur. Tu es méchante. De quel genre d'amour tu t'aimes toi-même, mais pas moi. Donc tu as tué ma mère. Tu as étranglé ma mère. Alors tu es responsable du décès de ma mère. Mais tu es folle. Oh Dieu, tu mérites de mourir. Je maudis le jour où j'ai posé mes yeux sur toi. Elle est maudite. Elle est maudite. Allez, donne-moi ça. Arrête. S'il te plaît, Ikena, s'il te plaît. Ikena, s'il te plaît, ça ne doit pas toucher le sol. Le marabout qui a fait ça dit que ça ne doit pas toucher le sol. S'il te plaît, Ikena, ne me fais pas ça. S'il te plaît, je t'en prie. Ike! Ike! Elle est morte. Elle est morte. Ifunaya. Ifunania. 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 Hey! Qu'ai-je fait? Non! Oh! Ifunania! Ifunania! Je suis désolé, mon frère. Pardonne-moi. Je suis désolé. Non, Seigneur. Je suis désolé, mon frère. Je suis désolé. Mon frère, je suis désolé. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Va retrouver ta femme. C'est fini. Va chez ta femme. Va t'excuser. Va retrouver ta femme. Ogadima, s'il te plaît. Peux-tu trouver une place dans ton cœur pour me pardonner? Je suis vraiment désolée. Je suis désolée pour tout ce que je t'ai fait. Ogadima, je faisais tout ça pour l'avenir de mon frère. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée du plus profond de mon cœur. Je te supplie de me pardonner. Adané, arrête. Ça va. Je n'ai absolument rien contre toi. Je comprends que tu aies fait tout ça à cause de l'amour que tu as pour ton frère. Non. Ogadima, je suis allée trop loin. Je suis allée trop loin. Je peux imaginer tout ce que je t'ai fait. Pardonne-moi, je t'en prie. Je t'en prie. Je suis désolée. S'il te plaît, supplie ta femme de me pardonner. Je suis désolée. Je suis désolée. Oublie tout ça, s'il te plaît. Oublie tout ça. Écoute, ma seule joie actuellement, c'est que Ifunaya ait été exposée. Et tout ça grâce à toi. J'ai été lavée de tout soupçon. Tu m'as accusée d'avoir tué votre mère. Mais maintenant, tout le monde sait que c'est elle qui l'a tuée. Je suis contente. Je te pardonne. Je n'ai rien contre toi. Ok? Alors, tu m'as pardonnée? Oui, je t'ai pardonnée. Ça va. Merci. Ça va. Lève-toi. Merci. 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 Merci, Ogadima. Merci. Ne pleure plus. Ok? Mon frère. Mon seul frère. Je suis vraiment désolée. C'est bon. Pardonne-moi. Ça va aller. Je te pardonne, d'accord? C'est bon. Hé! Hey, que s'est-il passé? Qu'est-ce que vous dites qui s'est passé?
La nouvelle s'est déjà répandue dans tout le village que mon ami que tu es a été libéré de la cage. Ce n'est pas vrai, hein? Mon ami a été libéré de la cage, hein? Ikena, ne te l'avais-je pas dit? Je t'avais dit que les femmes, est-ce que tu t'en souviens? Je te l'avais dit, est-ce que tu t'en souviens? Je te l'avais dit plusieurs fois. Les bonnes femmes sont difficiles à trouver. Regarde ce que tu as fait à Ogadima, une pauvre, jolie, belle, innocente femme, hein? Tu as presque jeté ton diamant au port. Voilà! Mince! Et quand j'imagine que tu l'aurais chassé de chez toi pour cette Dalila, hein? Voilà! Et tu étais là, tu passais ton temps à dire merci, merci, la différence est claire. Merci, merci. Ah, arrête ça. Claire. Voilà! Voilà! Maintenant, mon ami, tu es déjà opérationnel. Tu es déjà opérationnel. Je suis très content pour toi. La nouvelle est déjà répandue dans ton village, hein? Merci beaucoup, parfait. Merci. Voilà! Tu vois, il est bien vrai que je suis content maintenant. Je suis très content pour toi aussi. Tu sais, ce n'était pas du tout facile. C'était une bataille, mais waouh. Dieu m'a montré la vérité. Mais mais quoi encore? Le problème maintenant, c'est... Non, tu ne peux pas tirer. Oh, ok, désolé. C'est Ogadima. Je veux dire, est-ce qu'elle pourra me pardonner? Si idiot que je l'étais, j'ai donné ma femme en mariage à un autre homme. Tu t'imagines? À quoi est-ce que je pensais? Ça va aller, je peux te comprendre. Je te comprends, mon ami. Écoute, tu vois, tu peux encore arranger les choses, d'accord? Ok? Je connais Ogadima, c'est une très bonne femme. Elle finira par comprendre. Essaie juste pour lui parler. Tu vois, tu dois absolument lui parler. Ok, d'accord. J'espère qu'elle le comprendra. Ah, elle fera. Au moins, essaie quand même de lui parler, on ne sait jamais. Hmm? C'est d'accord. Mon pote. Le tireur d'élite. Tireur d'élite. Le retour du soldat. Ah, I know I've treated you so bad. Cry, but I'm sorry. Baby, I know if it explains what I'm doing. It's just like I'm under a spell and I'm acting. Baby, I'm sorry. I'm sorry. Because you know what I don't know. I'm sorry. You will get your cup that you want. I'm sorry. So happy together. You and I are so close. You and I are besties. So show me that love you used to show me. And bring back those memories that we shared. Oh, show me that love you used to show me. Bring it back. Bring it back, those sweet memories, hey. I know I've made it so sad, but I'm sorry. I know I treat you so bad, but I'm sorry. I know I've made it to cry, but I'm sorry. I plead you come back to me, cause I'm sorry. Oh, baby, I'm sorry. I'm sorry.
just like I'm under a spell and I'm acting. Baby, I'm sorry. I'm sorry. Because you know why I don't know. I'm sorry. You will get your cup that you own. I'm sorry. Je sais qu'elle va l'aimer. Oui, je connais très bien Ogadima. Elle est ma femme. Elle va aimer ses vêtements. Même s'ils sont de seconde main. Mais je sais qu'elle va les apprécier. Voilà ce qu'il lui fallait. Non. Non. Non, 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 non. Je risque vraiment perdre là. Ike, mon frère, que se passe-t-il? Adane. Que se passe-t-il? Adane, je l'ai perdu. Perdu quoi? J'ai perdu Ogadima pour quelqu'un d'autre. Totalement. Regarde. Ah. Ah. Oh. Désolé, mon frère. Ça va aller. Calme-toi. Je sais que tu peux remonter de ça. Tu vas réussir. N'essaye pas de me consoler, ok? C'est déjà terminé, manifestement. Je suis allé acheter quelque chose pour elle, pour le lui offrir comme un cadeau. À mon retour, imagine seulement ce que j'ai trouvé. Ça va, mon frère. Je l'ai perdu. Non. Ce que tu m'as donné, j'ai utilisé mes mains pour le jeter. Hein? Calme-toi, mon frère. Essaye de te calmer. Dieu a sa façon de régler les choses. J'ai perdu ma femme. S'il te plaît. J'ai perdu mon épouse. Mon frère, s'il te plaît. Je t'en prie, ce n'est pas vrai. J'ai perdu ma femme. Manifestement, il y a toujours de l'espoir. Regarde ce qui se passe. Elle est encore ici. Elle est encore ici avec nous, s'il te plaît. Je t'en prie. Ne fais pas ça. Tu es le seul frère que j'ai. Je ne veux pas te perdre. Pardon, hein? Adane. Hein? S'il te plaît, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Qu'est-ce que c'est? J'aimerais que tu ailles parler à Ogadima. Tu sais, elle va t'écouter certainement. S'il te plaît, dis-lui que je suis désolé. Et dis-lui que je l'aime encore. Hein, s'il te plaît. Fais-le pour moi, je t'en supplie. Parle-lui, je t'en supplie. S'il te plaît, je t'en prie. S'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît, je t'en supplie. Je ne voudrais pas perdre ma femme, je t'en prie. Ogadima, je t'en prie. S'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. S'il te plaît, regarde-moi. Regarde-moi, ton mari. C'est moi, Ikena. Je t'en prie. Hein, je t'en prie. Pardonne-moi pour toutes les choses que j'ai eu à te faire. Ce n'était pas intentionnel. J'étais sous une emprise. Oui. Adane, je le sais, non? Oui, oui. Je n'étais pas moi-même lorsque je faisais toutes ces oui. choses. Hein, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en supplie. S'il Ogadima, te plaît, je t'en prie. Je t'en prie. S'il il te était plaît, non. J'étais et sous un char. J'étais salué. Hein. Emeka, Dieu merci que tu sois là. Que se passe-t-il encore? Aide-moi. C'est Ogadima. Je ne fais que la supplier de revenir vers moi. Mais elle ne veut pas m'écouter. Regarde, tu vois comment elle se rapproche de lui. Je lui ai dit, s'il te plaît, je t'en prie, pardonne-moi pour toutes les choses horribles que j'ai eu à te faire. Si je demande à ma sœur Adane, oui. elle va te dire que j'étais complètement envoûté.
Oui. Tout ce que j'ai eu à lui faire n'était pas intentionnel. Emeka, s'il te plaît, s'il te plaît, reviens chez mon frère. Mon frère est en train de perdre sa femme. S'il te plaît, dis-lui de revenir chez son mari. Reviens chez ton mari, je suis ton mari. Regarde, Chima. Mon ami, tu vois. Ogadima, je l'aime encore. Elle est ma femme. Oui, elle est ma femme. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais que je fasse pour que tu me la laisses? Tout ce que tu veux dans ce monde, je vais le faire. Même s'il faut rembourser la dot. Tout ce que tu voudras que je fasse dans ce monde, oui, je vais le faire pour toi. J'ai des loupins de terre. Je peux tous les vendre et te donner de l'argent. Si c'est ce que tu veux, je vais le faire. Emeka, tu ne dis absolument rien. Dis quelque chose, non? Oh, s'il te plaît, Emeka, parle! Chima, arrête de me regarder comme ça et dis quelque chose! Dis quelque chose, non? Ah! Dis quelque chose, non? Un adulte comme moi est en train de te supplier et tu restes tranquille! Oh, Gadima, ne fais pas ça! Ne fais pas ça! Souviens-toi de comment on a commencé! Je t'en prie, ma chérie, je t'en prie. Regarde, je me mets même à genoux. Regarde! Non, s'il te plaît! S'il te plaît! Non, s'il te plaît! Non, arrête! Remets-moi ma femme! Remets-moi ma femme, je t'en supplie! Arrête! Dis-lui de laisser ma femme, je t'en prie! Je peux plus supporter tout ça! Je ne peux plus supporter tout ça! Pardon! Chima, le jeu est terminé! C'est la fin du jeu, s'il te plaît! Laisse-moi te dire la vérité! Ogadima est toujours ta femme! Oui, je ne peux plus supporter tout ça. Ah, non. Je ne peux pas accepter de voir mon ami. Non, mon ami. Qu'est-ce que ça veut dire? Que dis-tu? Emeka. Qu'est-ce que ça veut dire? Emeka, qu'est-ce que tu racontes? Chima, le jeu est terminé. Le jeu est fini. Hein? Fin du jeu. Ta femme est toujours ta femme. Ah, je ne comprends absolument rien. Qu'est-ce que ça signifie, non? Parle-moi. Oui, Emeka et moi avons échafaudé tout un plan. Juste pour te faire réaliser que tu y aimes ta femme. Pareil fou, Nyanya. Hey! Jésus le roi des rois! Tout ça, mon fils. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie. Voilà ce qui s'est passé. Que se passe-t-il? Mon frère, je t'en prie, il y a le feu sur la montagne. Je t'en prie, comme tu vois actuellement, le foyer conjugal de mon ami est dans un terrible chaos. Alors s'il te plaît, je t'en prie, au nom de tout ce en quoi tu crois, peu importe ce que c'est, je t'en supplie, mon ami que tu vois là, il est en train de vouloir commettre la plus grosse erreur de sa vie. Comment? Il veut déjà remarier sa femme à un autre homme qui est toi. Et je... Écoute, aide-moi à sauver son mariage. Je t'en supplie, je t'en supplie. Oui, on t'a menti. Mais je t'en supplie, je voudrais que tu joues le jeu avec moi. S'il te plaît, fais-le pour moi. Je t'en supplie. Ça pourrait être toi demain. S'il te plaît, sauvons leur mariage. Je t'en supplie, c'est mon meilleur ami. S'il te plaît, ne le laisse pas. Ne le laisse. Ne, je t'en prie, juste pour moi. Tu es sérieux? Tu veux dire que... Oui. C'est sa femme qu'il veut déjà donner. Oui, je t'en supplie. Chima, s'il te plaît, je te comprends. Je sais aussi que tu peux jouer le jeu. Hein? Ne la touche pas, ne fais absolument rien. Joue juste le jeu et agis comme si... Tu vois? Écoute, je sais que tu peux le faire pour moi, je t'en supplie. Sauve un mariage, sauve une vie. Hein? Je t'en supplie. S'il te plaît. Voilà donc tout ce qui s'est passé. Oui. Alors, c'est ça? Hey! Emeka! Qui est mon frère? Emeka! Mais non, tu voulais que je résolve ce problème, non? Regarde-moi ce mec! Je voulais m'utiliser pour une vie après. Regarde-moi ce mec! Regarde-toi! Alors tu m'as fait ça à moi! Non, toi, non, Emeka, tu l'as fait à mon ami! Non, ça ne pouvait pas arriver! On t'a bien mis dans la farine! Et toi?
bonne femme. Oh, que tu es une bonne femme. Mon gars, tu m'as presque tué. Tu m'as presque tué. Hey. Tu voulais m'utiliser pour m'accuser après. Ça n'arrivera pas. Vous en avez fait un peu trop, non? Et si je tombais et je mourais? Non, non, non. Hein? Non, 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 non. Est-ce que vous avez besoin de parler de ça maintenant? Non, non, non. Il ne serait pas allé aussi loin. Je te conseillerais d'aller vers ta femme. Et de lui parler. Tu sais comment tu lui parlais avant. Hey, ma belle-sœur. Va lui parler. Notre femme. Il ne s'est rien passé. On a juste fait au mieux pour arranger les choses. Allez, vas-y. Et mes gars, et mes gars, place sur mon chemin. Est-ce que tu vas rentrer là-bas? Allez, viens chercher ta femme. Va chez ton mari. Rejoins ton mari. Oh mon dieu. Hey. Loué. Alléluia. Loué. Alléluia. Loué. Loué. Alléluia. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Emeka, Emeka, viens par ici. Ma femme. Tu restes notre femme. Maintenant, c'est sur moi que viens montrer ta force. C'est qu'on t'aime beaucoup, non? Mon mec, ce mec correct. Oui, mon pote. Vous êtes super. Merci beaucoup, les gars. Mais non, de rien. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment est-ce que je vais vous récompenser. Je ne sais pas comment est-ce que je vais vous payer pour... Non, pas de problème, aucun problème. Le plus important pour moi, c'est que tu aies retrouvé ta femme. Prends bien soin de toi. Tu as retrouvé ta femme. Emeka, merci. De rien, ça va. Il n'y a vraiment pas de problème. Ouais. Tu vois? Je vois le père. Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est naturel. Il s'aime beaucoup. Oui, mais je n'écoutais pas. Vous méritez, les gars. Une calebasse de vin de pain. Ok, je serai de retour. Je reviens tout de suite. Va le chercher. Va le chercher. Pendant ce temps, j'irai faire de l'ouba. J'irai faire de l'ouba. Va le chercher. Oui, de l'ouba. L'ouba, celui-là, même qui te ressemble. Va le chercher. Hey, mon cœur. C'est pas vrai. Du bon vin. Du bon vin. Non, jamais de la vie. Arrête ça, non. Je ne veux pas. Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Non. Donne-moi ma chemise, non. J'ai dit non. Donc ma chemise t'appartient maintenant? Je ne veux pas que tu la mettes. Pourquoi? Je ne l'aime pas. Ok, pour ton information, ça c'est ma chemise préférée que tu tiens. Eh, ok, tu ne la mets pas. Je vais la porter. Oui. Attends que je l'attrape. Ah, tu ne la mettras pas. Tu ne veux pas que je la porte, oui. Hein? Oui. Ok, parce que tu l'as. Je ne veux pas que les autres filles regardent mon mari. Oh, tu crois ça? Pas étonnant, je l'ai dit. Tu vois? Tu vois la jalousie? Oh, tu penses que si je porte ces chemises, toutes les filles de cette communauté seront-elles amoureuses de elles moi? Elles vont m'arracher mon mari. Ah, oui. T'inquiète pas, ça ne marche pas avec moi. Attends que je t'attrape. Allez, donne-moi ma chemise. Donne-moi ma chemise. Je ne veux pas te la donner. Regarde, c'est une chemise de marque. Elle est ma préférée. Non, elle est permette que je la mette. Et je n'aime pas ça. Ok, ne t'inquiète pas pour ça. Je vais te porter dehors. Donne-la-moi d'abord. Adani, mon bébé. Tu m'as fait peur. Je suis là pour toi. Quoi? Eke. J'ai toujours envie d'épouser ta sœur. Oui, bébé. Pardon, épouse-moi. S'il te plaît. Tu le veux? Je n'arrive pas à le croire. Je pensais... que tu ne reviendrais plus vers moi. Après tout ce que j'ai fait à Ogadima. Non, bébé. C'est arrivé pour une raison. C'est arrivé pour une raison. S'il te plaît, épouse-moi. Je suis là pour toi. S'il te plaît. Dis oui. Non, mais qu'est-ce que tu attends? Oui. Vraiment? Oui, je vais t'épouser. Je vais t'épouser. Oui, oui, je veux t'épouser. Bébé. Bébé, merci. J'ai failli pleurer. Ça va. Oh, Dieu, bébé. Oui, oui. Viens. Je suis contente. Je peux te parler? Vas-y. Toi non plus, tu n'es pas au courant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est au point où tu racles ta gorge?
qu'est-ce que c'est? Tu as encore recommencé? Tu as déjà toute notre attention. Je suis enceinte. Ah ça, c'est une bonne nouvelle! Ouais. Hey! Je suis si contente! Bébé, est-ce que c'est vrai? Okay, viens par là! Ah, je te l'avais dit! Hey. Je vous l'ai dit, mais vous les gars, vous ne comprenez pas, hein? Je vous l'ai dit que non, ben, je suis très fertile! Je suis très viril! Et dès le premier coup, j'ai mis la balle dans les filets! Ah, je suis en forme! En très grande forme physique! Un vrai lion! Ça, c'est vrai! Félicitations! Je suis contente! Félicitations, mon frère! Je suis contente! Ah, félicitations, notre femme! Merci beaucoup! It's just like I'm under a spell and I'm acting. Baby, I'm sorry because you know why I don't know. You wake it up with that you know because you know why I don't know.